Comment ça va? J'espère que vous allez bien. On se retrouve pour l'épisode 2 de Animal Crossing New Leaf. Coucou Flavie, coucou Yemstone, coucou Flochon, coucou Nas, coucou Océane. Attendez 2 secondes, j'arrive déjà pas à suivre ce qui se passe à l'écran. Merci beaucoup Tinaria pour ton 18e mois. Merci beaucoup Madou pour le 15e mois. Et merci Elise pour le 12e mois. Merci beaucoup pour votre soutien. La VOD de la semaine dernière sur ACNL, les feels des 12 années. Mais vraiment, mais oui, c'est trop le moment là pour recommencer une aventure ACNL. Visiblement, j'ai dû inspirer je ne sais combien de personnes. Parce que si vous saviez le nombre de streamers, de youtubeurs, de personnes, de viewers, etc. qui ont rebranché leur 3DS pour refaire une aventure New Leaf. C'est un truc de fou. Je me baladais sur TikTok l'autre jour et je suis tombée au moins sur 3 ou 4 lives Animal Crossing New Leaf de personnes qui étaient là avec nous la semaine dernière et qui du coup ont relancé un truc et tout, enfin vraiment... On sent qu'il y a une grosse hype autour du truc. Coucou Nokomi, coucou Bellani, coucou Zazu, coucou Fleurine. Comment ça va Fleurine? Coucou Ous de Couette, coucou Nania, coucou Jus de Pomme. Comment allez-vous tout le monde? Coucou Chris, en pleine forme. Je vide la carte sur HL au lieu de faire les quêtes principales. Alors lui, il nous parle de Hogwarts Legacy, alors qu'on est tous à fond dans Animal Crossing en ce moment. Mais oui, ça donne trop envie. Non, vraiment, franchement, le petit retour sur Animal Crossing New Leaf, Animal Crossing tout court, enfin, franchement, ça donne trop envie, on va pas se mentir. Coucou Emeline, aussi, au passage. Et merci pour ton follow. Merci aussi, Riri, pour le follow. J'ai relancé ma partie aussi. Ah, vous avez recherché votre 3DS. Qui est-ce qui a re... Qui c'est qui a relancé Animal Crossing New Leaf, là, un peu, pour voir un petit peu. Coucou Nonor, comment ça va? Coucou Marseillaise, coucou Soanix. Hein, il y en a... Il y a du monde hein, qui a relancé la 3DS là. Hein. Ça va super et toi? J'allume le PC, je me rabonne, t'es adorable Fleurine, merci beaucoup. Coucou Célina, moi j'étais emballée, je joue pas à CNH, j'ai connu que... T'as connu que à CNH hein? Oh Chris, il faut faire quelque chose hein? Comment ça la pub? Putain, j'ai oublié de lancer la... Oh putain, j'ai oublié de lancer la pub pendant le décompte, je suis désolée les gars. Je suis trop nulle. D'habitude, je la lance pendant le décompte. Comme ça, vous l'avez pas... Bah, vous l'avez pas maintenant, quoi, finalement. Et là, j'ai complètement oublié de le faire, vu que j'étais pas devant le PC. Bref, trop la honte, quoi. Moi, personnellement... Moi-même, je n'avais pas réellement arrêté. Ah, t'as continué de jouer à la CNL de temps en temps, pendant que ACNH était sorti. Moi, j'ai décidé de reprendre ma 6e cartouche. 6e cartouche. Alors ça, c'est ma version... Tu nous fais une fluffy, là. Tu nous fais une fluffy. Ma 3DS, elle nage dans la poussière. Comment ça tu... Non mais rallume-la. Coucou Laetitia, coucou Yélise, coucou Lulu, coucou Camille. Comment ça va tout le monde? Meilleur jeu, je veux rien savoir. Bah, ça dépend en vrai. Les avis sont assez tranchés. Coucou Mimi, coucou Charlie. En vrai, les avis sont assez tranchés en soi. Si t'as connu que à CNH, bah, je pense que les personnes... Enfin, je pense que les personnes, tu vois, qui ont commencé par Animal Crossing New Horizons, par exemple, je pense qu'ils vont dire qu'ils préfèrent Animal... Ils vont dire qu'ils préfèrent NH, tu vois. Par contre, c'est vrai que pour les personnes qui ont connu la hype... Oh putain, on a un nouvel habitant, là. Pardon, vous avez pas l'écran devant vos yeux, mais moi, je l'ai. On a un nouvel habitant sur... sur ACNL, pardon. Coucou Ninja, comment ça va? Merci beaucoup, Fleurine, pour le 10e mois. Merci. Donc oui, ceux qui ont commencé par New Leaf, tu vois, ils vont te dire « Ouais, New Leaf et tout, trop bien. » Et ceux qui, ceux qui ont commencé par ACNH... Bah du coup ils vont, je pense, en globalité te dire que ACNH est mieux que New Leaf, tu vois. D'ailleurs je m'excuse pour le retard, je suis vraiment désolée, on avait mal calculé le timing. Mais on est là, donc c'est le principal, c'est vrai. Non mais ouais, c'est vrai, hein. C'est un peu comme les jeux Pokémon, tu sais. Genre moi par exemple, je sais que j'ai commencé par Pokémon Jaune. Donc du coup, bah, pour moi les premiers Pokémon sont forcément meilleurs que les nouveaux, tu vois. Mais ceux qui ont commencé par Soleil et Lune ou alors Diamant, ils vont te dire que les meilleurs jeux Pokémon, c'est Diamant, Soleil et Lune, etc. Alors que pour moi, c'est les premiers. Pour moi, c'est les Ruby Saphir, c'est Argent Or. Enfin, tu vois ce que je veux dire. Bah, ça, c'est des excuses. On est habitué à tes retards, t'inquiète. Coucou, elle est douche. Qui a laissé un rein pour les courses? L'homme ou toi? Le compte commun. J'ai vu tes stories Insta. Je crois qu'on habite pas loin, toi et moi. En région parisienne, Nania, ou pas du tout?
C'est trop dur pour eux de se relancer dans un jeu 3DS, mais ils savent pas ce qu'ils ratent. Non, puis les jeux 3DS sont un peu mal vieillis. Enfin, c'est pas qu'ils ont mal vieilli, c'est juste que c'est vachement pixelisé, quoi. Donc, c'est vrai que en fonction de tes affinités avec les graphismes ou quoi que ce soit, ça peut être un peu... tu relances à CNL, t'es en mode, waouh, alors ouais, alors c'est pas à CNH, tu vois. Coucou Aligel, comment ça va aussi, au passage? Coucou Marmotte, hein? Moi, personnellement, c'est rouge et vert. Bah, la version rouge aussi, je l'ai eue, j'ai adoré. Par contre, rouge et... Par contre, la version verte, hein? C'est quoi, la version verte, hein? Ah bah, ça pique les yeux, ouais, ça pique un peu les yeux, hein. Il y a encore écrit Midi 50 dans le titre. Oh merde, attendez. 14h. Rien à voir finalement, 14h30. Ok, j'avais complètement oublié. Excusez-moi. Moi, j'ai commencé par AC Gamecube. Et du coup, tu dirais que Gamecube, c'est ton opus préféré ou pas, Dramagouin, hein? Coucou Tichou, comment ça va? Bonne année à toi aussi. Désolée de ne pas avoir été là, j'ai perdu ma tablette, mais il n'y a pas de souci. Mais mon chat l'a retrouvé. Comment ça, ton chat, il a retrouvé la tablette? Moi, j'ai commencé avec la 5G, noir et blanc, c'était incroyable. Noir et blanc, tu vois, par exemple, c'est des jeux que j'ai jamais fait en entier parce que j'ai pas accroché, tu vois. J'ai pas accroché à noir et blanc. Par exemple, vous voyez, noir et blanc, enfin, noir 2 et blanc 2, j'y ai jamais touché de ma vie, tu vois. Peut-être que maintenant, je pourrais apprécier ces jeux-là. Je sais pas. Vert et rouge, c'était au tout début. Ah, moi, j'ai connu que la version rouge, bleu et jaune. La version verte, j'en ai jamais entendu parler, je savais même pas que ça existait. Au début de ACNA, j'étais déçue, je trouvais ça beaucoup moins bien que ACNL, mais plus j'y joue et plus j'apprécie, et moins j'apprécie ACNL, donc c'est l'occasion pour moi de relancer le jeu. En vrai, je pense, tu vois, comme je disais lors du premier live sur ACNL et ACNH, enfin tu vois, en fait, pour moi, j'ai vraiment genre trouvé deux utilisations à chaque jeu différente, dans le sens où, à l'époque, quand vous me suiviez peut-être sur YouTube d'ailleurs pour les let's play de ACNL, vous avez peut-être un souvenir de moi qui faisais que de la déco. Je faisais que de la déco dans Animal Crossing New Leaf. Mon plaisir, c'était de décorer ma ville. De faire plein de villes sur plein de thèmes différents, etc., etc. Et en fait, cette tendance, elle s'est inversée. Coucou Kuro, comment vas-tu? Aujourd'hui, tu vois, j'utilise Animal Crossing New Leaf pour le gameplay. Parce qu'en fait, pour moi, New Horizons manque de gameplay. Tu vois? Tandis qu'à l'époque, vraiment, je faisais de la déco dans New Leaf. Mais là, hors de question de faire de la déco dans New Leaf, parce que la déco, je la trouve mieux dans New Horizons, tu vois. Donc, en fait, pour moi, NH, c'est vraiment l'opus avec lequel je vais faire de la déco. Et NL, c'est vraiment l'opus sur lequel je vais me faire un plaisir au niveau de tout ce qui est gameplay, au niveau de tout ce qui est dialogue avec les habitants. Je vais vraiment pas prendre le temps de faire une déco élaborée de fou comme ce que je faisais à l'époque, en fait, sur YouTube, tu vois. Coucou Mangoku, comment ça va? Pokémon Vert, c'est Pokémon Vert Feuille. Ah, Pokémon Vert Feuille, je l'ai! Pokémon Vert Feuille, j'ai adoré, c'est un de mes opus préférés aussi. En fait, pour moi, les meilleurs jeux Pokémon, c'est les premiers, donc voilà. C'était plus chill à l'époque, même si t'avais pas grand-chose à faire, tu y allais juste pour te reposer la tête après l'école. Oui, puis c'est vrai que... La façon qu'on a de consommer aussi le jeu vidéo a changé, tu vois. Genre moi, j'ai un souvenir de moi, aujourd'hui, après c'est peut-être parce que j'ai des enfants, j'ai vieilli, j'en sais rien, tu vois. Aujourd'hui, tu vois, quand je prends une console, c'est vraiment pour jouer. Enfin, je sais pas trop comment expliquer. C'est vraiment pour... Enfin, je prends ma console avec un objectif en tête, tu vois. Coucou Anakin, comment vas-tu? Mais tandis qu'à l'époque... Quand je prenais ma 3DS, tu vois, je pouvais juste aller pêcher pendant des heures et j'étais à fond. La manière de consommer le jeu vidéo a elle aussi évolué dans le temps, je trouve. Hein. Enfin, pour moi, c'est la 2DS. T'as la 2DS. Oh, j'ai jamais apprécié la 2DS. C'est la nostalgie, ça, madame. Coucou Snow, comment ça va? Je lui ai dit cherche, cherche, elle va sous mon lit et bingo. En même temps, une tablette sous le lit, franchement, j'avoue que personnellement, j'aurais dit ça aussi. Coucou Mel, coucou Tatanini, comment ça va? Passez-vous là les heures sur Animal Crossing ou sur les Sims? Mais c'est vrai que tu vois, par exemple, en tant que... Si on prend par exemple le jeu des Sims, j'étais une plus grosse joueuse de Sims quand il y avait les Sims 1, 2 et 3 que quand il y a eu les Sims 4. Sur les Sims 4, j'ai 800 heures de jeu, un truc comme ça, tu vois. Tandis que sur les Sims 1 et 2, mais je devais avoir 2000 heures, 3000 heures, hein.
les Sims 1 et 2, c'est vraiment les Sims que j'ai le plus saigné. Déjà, aux Sims 3, ça descendait. Ma hype, elle descendait, tu vois. Mais les Sims 1 et 2, mais j'ai adoré. Coucou Joom, Sims 2, mon préféré. Bah, je pense que les Sims 2, c'était mon préféré aussi. Après, Sims 1, bon, ils ont un peu vieilli. Si je vous montre des graphismes des Sims 1 aujourd'hui, vous allez me dire, mais Fluffy, comment t'as pu jouer à ça? Alors qu'à l'époque, les Sims 1, mais c'était le feu. Avec le monde abracadabra, là, je sais plus comment il s'appelait. Mais aujourd'hui, je vous montre des images des Sims 1, mais vous allez péter un plomb. Franchement, vous allez péter un plomb, les Sims de luxe. Regarde, non mais, attends. Voilà. Et ça, tu vois, moi, à l'époque, je jouais aux Sims. J'étais heureuse. Mais j'étais tellement heureuse. Mais ça pétait le feu. C'était frais. Franchement, mais regarde-moi ça. Les personnages qui dansaient comme ça, là. Mais c'était... Mais c'était fou, les Sims 1. Je sais plus comment ils s'appelaient. Ah, c'était ça. Les Sims Abracadabra. Oh, c'était incroyable, hein. Abracadabra. On peut avoir des images et tout. Coucou Inata, regardez. T'avais des espèces de festivals comme ça, avec des magiciens. Ils faisaient nimp avec les Sims et tout. T'avais des espèces de fêtes foraines comme ça et tout. En vrai, quand tu regardes ces images-là, tu te dis, putain, mais les Sims 1, mais il y avait tellement plus de fonctionnalités que les Sims 4 qu'on a aujourd'hui. Aujourd'hui, dans les Sims 4, si tu veux avoir ce genre de choses, il te faut des mods. Sans les mods, tu peux pas faire, hein. Coucou Gayline, comment ça va? C'est un rare hors-série qui est sorti. Comment ça, Abracadabra, c'est un Sims rare qui est sorti? Attends, quoi? Les Sims 2 médiéval. Les Sims 2 médiéval, j'aimerais tellement les réinstaller. Mais je sais pas du tout où est-ce que... Je sais pas du tout où est-ce qu'on peut se procurer ces anciens jeux, en fait. Je sais pas du tout. Vous savez un petit peu où est-ce qu'on peut se procurer genre les Sims 1, 2, les Sims médiéval, ce genre de truc? Est-ce que parfois, je me dis, j'aimerais bien faire... Bah, j'aimerais bien faire un stream, tu vois, un peu événement. Genre une fois par semaine ou une fois toutes les 2 semaines. Où tu fais genre, vas-y, stream nostalgie, on retourne dans les anciens jeux des anciennes époques, tu vois. Plutôt que de jouer aux Sims 4, tu joues aux vieux Sims, tu vois. Sur EA, sur l'EA Play, il y a... Attends, t'es sérieux? My Sims sur DS. My Sims, j'ai jamais joué. Les Sims sur DS avec les aliens, c'était trop cool. Je l'ai celui-ci, et en plus j'ai la DS, donc du coup on pourrait y retourner dessus. Mais je me dis, tu sais, tu vois, une fois toutes les semaines, une fois toutes les 2 semaines, instaurer par exemple, tu vois, genre je dis une connerie, hein, le jeudi nostalgie. Genre le jeudi nostalgie, toutes les semaines, tu changes de jeu. On retourne sur un vieux jeu de notre enfance, un jeu rétro, ouais, je sais pas si ça vous... Dites-moi un petit peu, est-ce que ça vous tenterait, genre, et puis tu vois, on fait passer du Tomodachi, on fait passer du My Sims, on fait passer du Sims 1, du Sims 2, du Sims médiéval, je sais pas, des conneries du style là, du Adibou, pourquoi pas, soyons fous, let's go, tu vois, le temps d'un stream, tu t'éclates en vrai, Adibou, bon, même si c'est pour les enfants, vas-y, le temps d'un stream, tu rigoles comme pas deux, tu te fends la poire et puis let's go, tu vois. Merci beaucoup, Miffy, pour le Prime. Merci beaucoup. Faudrait que je trouve un jour où faire genre le... Je sais pas moi, le lundi nostalgie, le mardi nostalgie, le jeudi nostalgie, je sais pas, j'en sais rien, tu vois. Et puis même vous, on pourrait faire un principe où vous pouvez me conseiller des jeux, tu vois. Genre par exemple, comme les Urbs. Par exemple, les Urbs, j'ai jamais joué de ma vie, tu vois. My Sims aussi, j'ai jamais joué de ma vie. Mais je pense qu'il y a certains jeux... Genre par exemple, My Sims et tout, je pense que je peux les avoir sur les petits sites où il ne faut pas prononcer le nom, tu vois. Sur les Emumu, sur les Emumu. Je pense que je peux les obtenir, ces trucs-là, qui sont vieux comme les rods, là. Sport, c'est quoi, sport? Coucou Kaline, comment vas-tu? Yo-Kai Watch 1, pourquoi pas aussi? En vrai, on pourrait tenter un stream Yo-Kai Watch 1 pour voir comment ça se passe et comment ça évolue et... Et de... Voilà, histoire de tenter, tu vois, on sait pas, hein. Là, j'ai pas d'autres jeux qui me viennent en tête, hein. J'ai pas d'autres jeux qui me viennent en tête, hormis tout ça.
les Sims et tout, mais ça me reviendra peut-être petit à petit. Bon, attendez quand même. Notre objectif du jour, on va continuer de discuter en même temps que nous devenons des professionnels sur Animal Crossing New Leaf. Regardez là. Nouvel habitant, sous vos yeux, ici. C'est carré, c'est prêt. Il faut qu'on aille voir qui est-ce que c'est. Vous allez me dire si le son du jeu est assez fort. Hein. Tu connais Pousse Pousse? Oh, Pousse Pousse! Faudrait faire ça aussi, Pousse Pousse. Stream Pousse Pousse, stream Marine Malice, stream Sam Pinjamin. J'avais un jeu, je sais plus ce que c'était. Attends. Alexandra Lederman, mais de fou! Attends, mais c'était quoi? J'avais un jeu, vous allez peut-être me retrouver le nom. J'avais un jeu Barbie où il fallait sauver et soigner des animaux. Je m'en souviens, mon père avait galéré de fou. Le son, il est un petit peu fort. Attends. Je m'en souviens, mon père, il avait galéré de fou à m'obtenir ce jeu-là. Parce qu'en fait, pour pouvoir y jouer, il fallait Windows 98, je sais pas quoi, là. Et sauf que nous, on n'avait pas Windows 98, etc. Et c'était hyper galère. Attends, Barbie sauve... Attends, je crois que c'est ça, Barbie sauve les animaux. Putain, oui, c'est ça. Barbie sauve les animaux. Moi, je veux jouer à Barbie sauve les animaux. Moi, je veux jouer à Barbie sauve les animaux. Je veux jouer à Barbie sauve les animaux. Je donnerai mon âme, hein. Je donnerai mon âme pour jouer à ça. C'était tellement bien. Aïe, aïe, aïe. Vas-y, tu sais quoi? Je vais réfléchir à un jour et on fera les machins nostalgie, là. Vous m'avez lancé, là. Je veux Léa Passion. Vous savez que les Léa Passion, j'y ai jamais joué, je crois. Nintendogs. Par contre, ma cartouche Nintendogs, je l'ai perdue. Faut que je la retrouve. Mais je pense qu'elle doit pas être loin. Elle doit être dans mon bazar, ici. Princess Peach, j'ai jamais joué non plus. Madame, je veux prendre des rides avec ton voyage dans le temps, là. Bah, si tu savais les miennes. Coucou Théa, comment vas-tu? J'espère que tu vas bien. Mais Barbie, ils avaient un site avec plein de jeux, mais on le retrouve plus. Mais je pense qu'il y a pas mal de choses qui ont été enlevées, hein. Tu sais, même, il y a des anciens jeux qu'aujourd'hui... Enfin, l'autre jour, j'avais cherché un jeu, je sais plus ce que c'était, et impossible de le retrouver. Genre, vraiment impossible de le retrouver. Je pense qu'il y a des jeux qui n'existent plus, malheureusement. Hop, hein. Voilà. Bon, attendez, petit courrier, les jeux des années 2000, trop de nostalgie. J'ai retrouvé un jeu, j'étais trop contente. Bah, j'ai pas de lecteur de disque sur PC, donc j'ai pas pu le faire découvrir aux enfants. Putain, c'est vrai que maintenant que tu le dis, les PC, ils ont plus de lecteur de disque. Eh, maintenant que tu le dis, en fait... Coucou Aurore, comment ça va? Eh, maintenant que tu le dis, en fait, mon PC, il a pas de lecteur de disque, moi non plus. J'avais même pas pensé à ce détail-là, en fait, du lecteur de disque, hein. Coucou Rarion, comment ça va? Bon, attends, courrier, qui sont mes admirateurs secrets? Maman, super. Est-ce que j'ai vraiment envie de commencer ma journée avec une lettre de ma mère? Je ne sais pas. Les jeux dans les céréales aussi. Oui, je vous avais montré lors du dernier live les espèces de jeux que j'avais eu dans les céréales. Faudrait que je les retrouve. Ma biche, tu trouves tes repères dans ta nouvelle vie? Ce n'est pas trop dur au quotidien de te débrouiller toute seule? Tiens, un petit cadeau pour les jours de cafard. Bonne chance, maman. Ah, et mon deuxième admirateur secret, c'est Runar. Super, bah je suis super ravie de ça, finalement. Vraiment, je kiffe. Tu peux en racheter qui se connectent par USB, il me semble. Des lecteurs de disques? Oh, merci, Your Game Stone. Merci beaucoup. C'est vrai, c'est pas bête, ça. Tu sais s'il y aura une match sur Sandrock? Bah, théoriquement, normalement, oui, ils avaient annoncé qu'il y aurait une grosse mise à jour, je sais pas quand, là. Donc, il est censé y avoir un nouveau truc à un moment donné. Après, quand? Je ne sais pas, mais en tout cas, oui, il est censé y avoir une mise à jour à un moment donné. Ça existe, les lecteurs CD avec port USB. En vrai, faudrait grave que j'achète ça. Hop, parce que j'ai des jeux dans mes cartons qui sont dans mon garage. J'ai des jeux qui sont en boîte. Genre, par exemple, les Marine Marilis et les Sam Pinjam, je les ai en boîte. Là, vous devez vous dire, mais attends, mais qu'est-ce qu'elle fout? J'ai encore mes Adibou en boîte qui sont dans un carton dans mon garage. Qui a ça, même? Qui a ça chez soi? Donc, plutôt que de les choper sur je ne sais quel site ou quoi que ce soit...
Bah, il faut juste que je rachète un lecteur CD finalement. Toi. Mais c'est pas moi, c'est mes parents. Ma mère qui est actuellement dans mon salon là, elle gardait tout quand j'étais gamine. Hein. Elle gardait tout. Et quand j'ai emménagé avec Nexus, elle m'a dit tiens tes cartons. Et dans les cartons, t'as Marine Malice, t'as Adibou, t'as Sam Pinjam, t'as je sais pas quoi. T'as les Sims 1, les Sims truc, les machins, les bidules. Je suis là en mode ah ok, bah let's go. Donc je me retrouve avec une mine d'or hein, dans les mains. C'est un truc de fou. Elle a même gardé mes Playmobil. Là, dites-vous, les Playmobil avec lesquels ma fille joue, c'est mes Playmobil que j'avais en 2004-2005. La ferme Playmobil avec laquelle ma fille joue, c'est la ferme de 1999. Mais ça fait le taf. Coucou Loulou, comment ça va? Coucou Arsus, hein. Moi j'ai encore tous les jeux. Non mais moi j'ai encore tous les jeux à faire au fur et à mesure de ton évolution scolaire. Hein. Chez ma mère, des jeux qui datent des années 80-90. Ah oui. Pourquoi tu jettes tes lettres? Parce que je m'en fous des lettres qui m'envoient. Voilà. Tu peux garder les trucs dedans. Ouais mais non mais je m'en fiche des lettres. Coucou Tsukin. Alors attendez, on va déjà commencer par. Oh là là, regarde-moi ça. Ça y est, on n'a pas joué. Oh, mes fleurs! T'es un ouf ou quoi? Comment ça les fleurs? T'es un giga malade! Arrose! Là, arrêtez charme, vie! Ouais mais attends deux secondes, il faut qu'on fasse la cote de confiance aujourd'hui. Coucou Alexander, comment vas-tu? J'espère que tu vas bien. Comment dire que ma mère était un site alors que les jeux type scolaire on en avait à foison. Mais j'en ai aussi hein. J'ai des jeux de ces genres, apprends à compter avec je sais pas qui là. Moi j'étais là en mode ok let's go. Tu vas te retourner. Est-ce que tu vas retourner sur l'île multijoueur avant que le online ne ferme ou pas? Ouais, bah c'est le but, hein. On va clairement passer beaucoup de temps sur les îles, que ce soit françaises ou des autres pays. Histoire de... Bah voilà, quoi. On veut tout redécouvrir, nous, finalement. J'avais que ça comme fleur. Après, tu me diras, c'est déjà pas mal, hein. Il faut qu'on enlève toutes les mauvaises herbes. J'espère que vous êtes prêts. Hop. Ouais, ils vont fermer les serveurs online de la 3DS, justement, Nikin. C'est la raison pour laquelle, justement, on recommence une aventure. Oh non. Quel est l'enfoiré qui a décidé de s'installer juste à côté de chez moi, là? Putain, mais... Hey, j'espère que t'es quelqu'un de bien, hein. Parce que là, vraiment, tu... Là, tu... Non. Non. Je veux pas que tu t'installes à côté de moi. Vas-y, une prêde. Vas-y. Est-ce qu'on a un modérateur qui peut nous faire une prédiction entre une fille et un garçon? T'es d'une politesse légendaire, j'avoue. Je me souviens de la technique des motifs pour placer les maisons. Je suis pas d'accord. En vrai, ça va, ça passe. Ben non, moi, j'avais des projets déco. J'avais des projets déco, moi, pour cette partie de l'île. Attends, mais je les sors d'où, tous ces trucs-là? La palissade bambou, machin, bidule. Hop. On va poser un petit peu tout ce qu'on a et qui nous sert pas. J'ai un poisson, j'ai mon espèce de toile. Il faut qu'on aille donner à Thibou. Je sais plus, on a déjà donné des trucs à Thibou ou pas? Non, la dernière fois, on n'avait pas. Hein. Non, Animal Crossing New Leaf, on peut pas l'avoir sur Switch. Je joue sur 3DS, Stacy. Hop. Hein. Donc, ils veulent mettre hors service les DS au final. Ouais, en fait, ils vont débrancher les serveurs online de la Wii U et de la 3DS en même temps. En général, quand ils font ça, c'est parce qu'ils vont annoncer une nouvelle console. Je dis ça, je dis rien, mais à chaque fois, vous pouvez aller voir sur Internet si jamais vous avez des doutes sur ce que j'avance. Quand ils coupent les serveurs d'une console, c'est pour en annoncer une nouvelle. C'est ce qui s'est passé. Ils ont coupé les serveurs de la Wii quand il y a eu la Switch qui a été annoncée quelques semaines, quelques mois après. Ils ont coupé les serveurs DDS quand ils ont annoncé... Enfin, ça a toujours été comme ça, en fait. Dès qu'ils annoncent une... Dès qu'ils ont, en tout cas, pour vocation d'annoncer une nouvelle console, ils coupent les serveurs des anciennes... Enfin, des anciens, t'as compris? Ils ont coupé la Wii, j'étais même pas au courant. Ça fait des années, maintenant. Il y a des rumeurs sur une nouvelle console. Bah ouais, bah là, tu m'étonnes. Ça fait jaser, hein. Les serveurs de la Wii ont été fermés en 2013, si je dis pas de bêtises. Quand la 3DS est sortie,
Quand la 3, enfin en fait, il coupe à un moment donné. Est-ce que tu penses que tu continueras Animal Crossing to Let's Go to the City? Oui, il faut que je réinstalle ma. Il faut que je réinstalle ma bête. Il faut que je réinstalle ma bête. Alors, attendez. Bonjour, Théo. Est-ce que la prédiction est finie? Let's go. Ma vie s'y sépare. Faust. Faust. J'ai Faust. Faust. Faust qui habite à côté de chez moi. Mais non! Je te jure que j'ai envie de me racheter une 3DS. Faust! Qui ça? Attends, tu sais pas qui c'est, Faust? Attends. Faust. Oula, oula, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait des bêtises, moi. Oula! Attends. Faust, Animal Crossing, c'est lui. Coucou Madame Chloé, comment ça va? Magnifique. Ouais, magnifique, ouais. Ouais, magnifique. Ouais, magnifique. Ouais, magnifique. J'adore. Franchement, l'habitant que je voulais, quoi. Ouais, en fait, la raison pour laquelle je veux retourner sur Animal Crossing, Let's Go to the City, on en parlait l'autre jour quand j'étais en live sur ACNH. En fait, j'ai jamais eu Sensei. J'ai jamais eu lui. Sensei, Animal Crossing. En fait, dans Animal Crossing, Let's Go to the City, t'as un habitant rare qui pop au théâtre à la place de Ciboulot lors de spectacles uniques. En fait, tu peux avoir des mimiques spécifiques qui sont rares avec lui. Et en fait, je ne l'ai jamais eu. Je ne l'ai jamais eu, ce personnage-là. Et vraiment, je veux finir toute mon expérience sur tous les Animal Crossing dans tout genre en ayant tout vu. Je veux avoir tout vu, tu vois. Et tu vois, par exemple, les spectacles comme ça de Sensei, bah, je les ai jamais vécus et j'aimerais bien les avoir, tu vois. J'essaye de l'avoir, le petit Sensei, c'est une horreur, hein. Et apparemment, c'est un phénomène qui est hyper rare, etc. Par exemple, aussi, cet habitant-là, je l'ai jamais eu ou je l'ai jamais vu. Alors, on peut pas l'avoir, mais je l'ai jamais vu. Larzac. Larzac, comme ça, je ne l'ai jamais. Et pareil, lui aussi, j'aimerais bien, voilà quoi, bosser de façon à l'obtenir. Enfin, à le voir, du moins. Merci beaucoup, CC, pour le follow. J'ai jamais vu, mais ça existe vraiment. Oui, ça existe. C'est juste que c'est des personnages rares, en fait. C'est des personnages rares, en fait, qu'il faut faire apparaître en faisant certaines actions, etc. En fait, c'est un peu des easter eggs et tout, enfin, des trucs un peu cachés, tu vois. Et ils sont assez compliqués à faire apparaître. Mais du coup, je me dis, bah, je veux les voir, tu vois. Genre, vraiment, je veux les voir. Au final, dans ACNH, il n'y a pas de perso rare. Non. Dans ACNH, il n'y a pas de. Il n'y a pas d'easter egg, il n'y a pas de. Il n'y a pas de secret en fait. Les secrets, c'était que dans les anciennes. Dans les anciennes versions. Ça fait plaisir de revoir des gens jouer à CNL. On est de plus en plus nombreux là, V. C'est comme les frères de. Oui, exactement. C'est comme dans Animal Crossing New Leaf. Dans Animal Crossing New Leaf, vous pouvez voir les frères de Rezeti. Tu peux voir Don Rezeti, par exemple. Hein. Pareil, en apparition rare, hein. Mais t'as plein de petits personnages comme ça que tu peux redécouvrir. Ouais, Flochon, je pense qu'on refera des visites oniriques sur la 3DS, bah forcément avant que les serveurs ferment et tout. Essayez de retrouver vos codes et tout pour qu'on puisse visiter et tout, machin bidule, hein, pour faire un petit truc, des petites visites nostalgiques, tu vois. Alors, déjà, on va commencer par ramasser toutes nos mauvaises herbes. Parce que bon. Sur ACNL, on peut s'asseoir sur les pierres. Oui, c'est depuis la mise à jour de 2016 qu'on pouvait faire ça. Hop. Punaise, j'ai joué à tous les AC et j'ai jamais eu aucun seul perso rare. Hein. Mais dans Let's Go. Dans. Comment ça s'appelle? Oh, alors, elle, quoi. Dans GameCube aussi, t'as des apparitions rares. Je sais plus qui c'est. Mais dans tous les opus, en fait, t'as des secrets comme ça cachés. Avec des personnages qu'il faut faire apparaître. Bah dans GameCube, je crois que c'est Larzac d'ailleurs. Mais pas que, je crois que t'en as d'autres, hein. Elles sont où les mauvaises herbes là?
Le mouton Big Mac, hein, m'en parle pas, Lolo, j'ai trop le seum. J'ai eu des super bons habitants de départ, hein, et là, je me retrouve... Je sais pas ce qui s'est passé, mais le sort, il s'est acharné, il s'est acharné sur moi, c'est trop... Chivava, j'adore, j'aurais trop aimé qu'elle soit dispo sur ACNH. Chivava, je m'en souviendrai toujours. J'ai fait 2 streams, ou 3, ou je sais plus. J'ai fait plusieurs streams. Oula. J'ai fait plusieurs streams sur Chivava pour essayer d'obtenir la hache dorée, je l'ai jamais obtenue. Je sais pas comment on fait. C'est impossible, je trouve. C'est super compliqué. Je ne l'ai jamais eu. Pareil, je veux cette hache dorée avant de finir. Il faut que j'aie cette hache dorée, ok? J'y pense, Audrey, faudrait qu'il fasse un nouvel Animal Crossing avec tous les événements, tous les opus. Oula, tu leur en demandes beaucoup, là. Attendez, je rapatrie ma boule, hein. Oh là là, puis alors le chemin, il est serré! Et tu sais quoi, je vais la mettre devant la mairie. C'est un peu risqué, non? Oh, j'avais une lisse! On va le mettre là, le bonhomme de neige. Pour avoir la hache dorée, faut persévérer. Non mais, hé, ébloui par la nuit, mais j'avais persévéré de fou pour obtenir ma hache dorée. Pour ceux qui étaient là déjà à l'époque à observer ces streams, mais hé, j'avais tout donné. Dorian, merci beaucoup pour le Prime. Merci énormément. Est-ce que là, c'est la pierre à clochette? Ah, quelle horreur. Ça me dégoûte. Merde. Oh là là. Il me dégoûte le mille pattes là. La hache c'est 50 pouces d'arbre chez Racine. Ouais mais on parlait de Let's Go to the City. Coucou 24h. Dans Let's Go to the City en fait c'était une autre façon pour obtenir la hache dorée. C'était avec Chivava et c'était un enfer. En fait il faut lui lancer une hache dans la gueule hein. Et il faut répondre à des questions et elle va te la... Elle va te la renvoyer en hache dorée si tu réussis. Sauf qu'à chaque fois, elle me trouvait une excuse pour pas me la renvoyer. C'était un enfer. Non, on a recommencé à zéro. Your Game Stone, tu peux trouver la rediff sur ma chaîne de replay. Hop. Je crois que c'est ça. Vous pouvez retrouver toutes les rediffs des lives Twitch sur ma chaîne de replay sur YouTube. Elle est juste ici. C'est beaucoup mieux pour vous, il y a moins de pubs sur YouTube, etc. C'est beaucoup plus sympa de regarder les rediffs là-bas. En plus, ça garde votre progression, etc. Enfin, c'est plus sympa, quoi. Et tout est disponible là-bas, justement. Je regarde les 3DS XL, c'est pas donné, n'empêche combien il est nouche. Je crois qu'on avait regardé récemment, et une 3DS, c'est aux alentours de 80€, non? Un truc du style, non? Après, pour les 3DS XL, j'ai pas regardé. Moi, j'ai regardé pour les 3DS normales. Hop, bon. Yep, c'est ça. Ouais, c'est environ 80, un truc comme ça. Et dire que la console, on l'a acheté combien à l'époque? Je sais plus combien je les ai achetés. Bon, celle-ci, c'est des capture boards, donc ça coûtait beaucoup, beaucoup plus cher. Hein. Mais est-ce que tu feras des vidéos pour UK Watch 5? UK Watch 5, je le ferai en stream, je pense. Comme je l'ai dit, ma chaîne YouTube, je pense qu'elle va devenir uniquement des... Je pense que ça va devenir une chaîne de tutos, de découvertes, de vidéos IRL, de vlogs, de ce genre de choses. Donc il y aura principalement que des tutos s'il y a un nouveau Yo-Kai Watch qui est annoncé. Merci beaucoup Shino pour le follow, bienvenue parmi nous. Mais l'aventure en tout cas ce sera en live de... S'il y a un nouveau jeu Yo-Kai Watch, le let's play sera en live avec les rediffs sur la chaîne YouTube secondaire hein. Chivava c'était la reine de la fontaine, la déesse de la fontaine de Let's Go to the City. Comment ça 200? Attends, quoi? Qu'est-ce qui a été annoncé à 200 balles? Oh, les gars! Il me faut un lance-pierre! Attends, on va aller faire les boutiques après. Madame, tu parles, mais on n'avance pas beaucoup, là. Hein. Chez moi, en magasin d'occasion, particulier à particulier, j'ai trouvé une 3DS Animal Crossing à 30€. Alors, toi, tu as chopé le jackpot, hein. Je te le dis direct, hein. La 3DS XL, je l'avais eu à 200€. Ça coûtait 200€, quand même, hein. C'était pas donné, hein, je l'imaginais moins cher. Après, c'était peut-être les 3DS classiques qui étaient moins chers. J'imaginais pas aussi ça aussi cher. Mon fils va être trop content s'il y a un nouveau UK Watch. Il avait commencé à te suivre par rapport à ce jeu. Bah, visiblement,
Lors du dernier Level 5 Direct, ils nous ont annoncé, bah, tu sais, Inazuma, Professeur Layton, Fantasy Life, coucou Daf. Ils nous ont fait un petit peu le topo vis-à-vis de tous ces jeux-là. Et à la toute fin, ils ont... Il y a un yokai qui est apparu, en fait. À la toute fin, il y a un yokai qui est apparu, donc... Et ils nous ont dit qu'on aurait, justement, eh bien, plus d'informations vis-à-vis d'un nouveau titre lors du prochain Direct Level 5 qui a lieu en avril. Donc, est-ce que c'est l'annonce de Yokai Watch 5 ? Après, est-ce qu'il va être commercialisé en France ou pas, tu vois ? On verra. Mais en tout cas, ouais, ça sentait plutôt bon. Ok, on a ramassé toutes les mauvaises herbes qui sont là, on va aller là-bas. Ouais, les capture boards, moi, je les avais achetées 500 euros. C'était super cher à l'époque, un capture board. C'était terrible, hein. Maintenant, je crois qu'on peut les avoir moins chers. Bon, c'est normal parce qu'il y a moins de demandes aussi. Mais ça reste un bon billet, hein. Je crois que ça reste 300 balles, un capture board, hein. Un truc du style, hein. Entre 200 et 300, un truc du style, non ? Déjà qu'ils nous sortent... Le 4, ils le sortiront pas en français. Et coucou, madame, hein. Le 4, ils le sortiront pas en français, c'est sûr et certain. Il est trop vieux, entre guillemets, tu vois. Je pense qu'à mon avis, ils vont vouloir repartir directement sur un Yokai Watch 5. À mon avis, hein. Parce que là, vu qu'ils se mettent à re-exporter les jeux Level 5 dans l'Europe et tout... Merci Lynn pour le follow. Ok, la boule. Attendez. Parce que là, ça va être technique. Parce qu'il va falloir traverser le pont. Hein ? Attends. Ça pue. Vous croyez en moi ou pas ? Est-ce que vous croyez en moi ? Parce que moi, je crois pas en moi. Putain, mais la cochonne, là ! Pousse-toi de là ! Non, mais c'est mort. C'est mort. La boule, elle va se noyer. Attends. On est beaucoup trop près de l'eau, beaucoup trop près du pont, beaucoup trop près de tout ce qui me hante là. Attends, je fais grossir la boule avant de traverser le pont. Hop, oula. T'as Noctulix qui a dit qu'il croyait en moi, après il a dit non, finalement je retire ce que j'ai dit. Ok, t'es prêt, on traverse. C'est bon. On est passé, les amis. On est passé. Maintenant, il faut qu'on aille là-bas. Enfin, il y a 200 000 chemins, il faut que la dame, elle choisisse de passer à côté de l'eau, tu vois. Comme ça, si on se noie, c'est parti, let's go. Attends, mais c'est super loin la mairie là, avec ma boule. J'ai toujours cru en toi. Attends, mais c'est super loin. Et c'est pas la porte à côté là, hein. Il va être énorme. Putain, mais elle est énorme la boule. Oh. Ah ouais, non mais attends. Il est énorme. À tout à l'heure, Aurore. Bon courage pour les courses. Il est énorme. Mon corps est si harmonieux, si tendre. Oui, d'accord, si tu veux. Il a la grosse tête. Ah bon? À toi, t'es comme ça. Ok. D'accord. Ok, il a pas aimé, je crois. C'est pas donné à n'importe qui de créer un équilibre aussi parfait. Écoutez, lui, il a l'air d'être content. Il a l'air d'être heureux. Allez, vas-y, donne-moi mon numéro bingo go là. Il a pas apprécié, non? Oh, on était... Donne-moi le 48 ou le 36. Et le 10. 48, 36, 10.
48, 36, 10. Non, pas 0 02, mais c'est quoi ça 02? Il est même pas dans ma grille. Oh, tu as le 2 sur la grille. Bah non. Ah si, pardon. Excusez-moi. La vue n'est pas mon premier point fort, nous allons dire. Excuse-moi. Excuse-moi. Excuse-toi auprès du bonhomme. Pardon. Mon premier Animal Crossing, c'était Wild World. Attends, viens, on va voir Marie, on lui demande à combien elle est la cote de confiance. Vu qu'on est juste à côté de la mairie, là. Merci beaucoup, Mademoiselle Luce, pour le follow. Bienvenue. Mon premier, c'était Wild World. C'était lequel, le vôtre, de premier Animal Crossing? Tiens, on peut faire un sondage? Entre ACNH, ACNL, Wild World, Gamecube et Let's Go to the City. On peut faire 5? Mais je crois qu'en grande partie, ça va être... Ceux qui ont commencé avec Wild World, c'est qu'ils sont aussi vieux que moi déjà pour commencer. Mais je pense qu'en grande partie, ça va être New Leaf, je pense, à mon avis. 45%. Putain, mais c'est nul, hein. Je vous suggère de faire une donation au musée, ça tombe bien, je dois y aller, justement. Le coup de vieux, merci. Ça commence avec Wild World, douce de quête. Je pense que la plupart ont commencé avec New Leaf en vrai. Hein. Comment ça, vieux? Je suis pas vieille, je suis juste d'un grand âge. Je pense que tous ceux qui ont commencé avec Wild World ont aux alentours de la trentaine. Entre 25 et 30 ans, je pense. À mon avis. Hein. Je veux pas me tromper. Hein. Mais. Ouais. On n'est pas tout jeune, hein. J'ai 23 ans et pourtant j'ai commencé avec Wild World. Ah! Ouais, 28, ouais, tu vois. Ah, 21, il y a Sheria qui nous fait... Elle nous fait détruire les statistiques. Wild World est 30 ans. Ouais, tu vois, je pense qu'il y a une majorité de personnes qui ont... Ceux qui ont commencé par Wild World, à mon avis, c'est une majorité de entre 25 et 30. Une majorité, c'est pas une vérité absolue, mais ouais, on est sur une belle majorité de 25-30 ans. Toi, expertise mes fossiles, rends-toi utile, hein. Dépêche-toi. Ah, Perlotte. ACNL, ça a été mon premier AC, j'avais vu la pub passer à la télé, c'était le coup de foudre. J'avoue que la pub de Animal Crossing New Leaf, je pense que ça doit être une pub que je me souviens même encore aujourd'hui. Alors que pour autant, les pubs d'ACNH, elles m'ont pas marqué avec Denis Brognard. Hein. Mais les pubs de Animal Crossing New Leaf, elles étaient tellement douces. Puis la musique du début, là, le... Coucou Tété, comment ça va? Ouais, quand ils sautaient dans l'eau, là, la révolution avec le maillot de bain, moi je te le dis, hein. Ouais, t'inquiète, je vais t'en donner des fossiles, mais commence pas. Ouais, une... Ah, putain! La majorité des gens qui ont commencé avec Animal Crossing, c'était Wild World! Mais quoi? Coucou, Moss! Mais vous êtes donc des vieux? Mais Wild World, c'est quelle année? D'ailleurs, on doit faire le stream semaine prochaine de Wild World. Wild World, c'est 2005? Mais non, Petrushka, pas de sang entre nous. En vrai, je pense que c'est à cause des parents, peu importe l'âge. Si papa et maman avaient une DS, le jeu passait forcément par Wild World. C'est vrai,
C'est vrai que mes parents ont peut-être même plus joué que moi à Animal Crossing Wild World que moi-même. Je m'en souviens, je vous avais déjà raconté ça. Mes parents, ils se battaient pour savoir qui allait aller pêcher le requin à 1h du matin quand ils étaient en vacances au mois d'août, hein. Mes parents se battaient pour savoir qui allait pêcher le requin quand même. Est-ce que vous vous rendez compte où est-ce qu'on en était ici? Non, c'est moi qui vais pêcher le requin. Et je m'en souviens, il y avait toute une organisation. Ils mettaient les requins dans la maison et tout. Ils faisaient leurs petits trucs en mode allez, vas-y, ils sont là. Et demain, t'iras les vendre. Hein. Tu les vends. Tu les vends à Tom Nook. Mais moi, j'ai commencé avec Wild World. J'avais l'impression que c'était un jeu de fou. Dites-vous que Wild World, c'est le jeu le plus vide des opus Animal Crossing. Même le jeu GameCube était plus complet que Wild World. Wild World, c'est vraiment le plus vide. Il n'y a même pas Halloween, je crois, sur Wild World. Moi, j'ai connu Scenic sur la Sega, puis plus rien. Ah, après, si on parle de mon premier jeu. Moi, mon premier jeu, hormis les Hadibou, les Marine Malice, les Sam Pinjam, mais c'est genre de trucs-là, c'était je regardais mon frère jouer à Zelda Ocarina of Time. Mais du coup, c'était pas moi qui jouais vraiment. Donc ouais, je pense qu'on est sur les jeux Sega, genre tout ce qui était Schtroumpf, Sonic, etc., etc. Alors, maintenant que j'ai fait une donation, je suis à combien? En vrai, ça vaut le coup à CNL parce que j'ai jamais joué à CNH et j'ai joué que à CNH et pas à celui-ci. Ah ouais, c'est incroyable à CNL. Coucou Pumba! À CNL, mais incroyable. À CNL, franchement, c'est un des seuls jeux pour lequel ils annoncent un portage sur Nintendo Switch, mais qu'est-ce que je saute en l'air, hein? Oh, un portage de ACNL sur la Switch. Ce serait incroyable, hein? C'est tout! Mais t'es vraiment une grognasse? Comment ça, 3%? Mais comment ça, 3%? Mais c'est quoi ces habitants-là? Je vais leur donner des coups de filet, ils vont voter pour moi, tu vas voir ici. Est-ce qu'on est en démocratie même? Non? Non mais oh! Attendez, je vais faire semblant de devenir leur meilleur pote là. Hop, ouais, j'ai un capture board. Du coup, je peux jouer sur la DS. Toi ici, deviens mon ami. Alors, quoi de neuf? J'aimerais te demander ton avis sur quelque chose. Sois sincère, d'accord? Oh! Regarde-moi bien, mes fringues, qu'est-ce que t'en penses? Qu'est-ce que t'en penses? C'est horrible! C'est dégueulasse! Mais waouh, qu'est-ce que tu es beau, mon ami! Oh là là! Parfait, de toute façon, quoi que je porte, c'est ma silhouette tout en muscles qui fait le boulot. On lui dit qu'il a volé le torchon de sa grand-mère et qu'il s'en est fait un t-shirt ou bien? Ah non, mais il va rester comme ça? Mais non. Théo. Mais Théo. Mais non. Bon, c'est pas grave, il m'a fait gagner des pourcentages. Tu vas continuer ta série ACNL sur YouTube? Les rediffs vont sur YouTube, Grenouille. Hop. Ils sont où les autres habitants là? Hep, hep, hep. On peut apprendre, on peut dire que toi aussi t'as pris la nappe. Ouais, c'est vrai. Hein. Bah attends, viens, on va faire les boutiques. J'ai un peu d'argent, vite fait. J'ai pas grand chose en termes de thunes, mais j'ai un peu de sous. On n'a pas été faire les boutiques, on n'a pas de lance-pierre, etc., etc. Allez, vas-y, go. OMG, un live à CNL. Oui, alias Animal Crossing New Leaf. Tu t'en prends pas, Théo, il est trop bien. Ouais, bah il a des sacrés coups de merde quand même, hein. Il a des sacrés goûts de merde quand même, hein. Oh non, il n'y a pas de lance-pierre. J'ai déjà tout ça. Oh bah non. Le piano, mais qu'est-ce que tu veux que je fasse avec un piano? Ah, pour l'augmentation de la boutique. Allez, vas-y, j'achète. Hop, hein. Un kotatsu. Allez, vas-y, j'achète.
Hop, c'est pour, l'augmentation de la boutique. Hop, on va prendre du papier, on va écrire des lettres à nos habitants, là. Tu vas séduire tes habitants en jouant du piano. Ils jouaient du piano debout. Je sais pas, la suite de la chanson. Attends, mais il est pas cher sur ACNH, ça coûte une blinde. Non, mais ACNH, c'est une arnaque. Ici, maintenant. Donne-moi un bon look. Le piano que c'était 3800, maintenant c'est 30 000 balles. Non, mais dans ACNL. Vu que toute la ville part de toi en ce moment, il aurait été difficile de ne pas te reconnaître. Ah, je suis pas venue lors du premier live? Ah bon? Oh. Ah ouais, non, mais madame, comment veux-tu que je m'habille, là? Je veux pas m'habiller comme le bouffon du roi, c'est trop. Il y a eu l'inflation dans ACNH. Oui. Merci beaucoup, Emim, pour le follow. Bienvenue. Ah, attends, ça, c'est mignon de fou. Le petit nœud. J'aimerais trop jouer à CNL, mais ma DS ne veut pas lire la cartouche. Souffle dessus. Regardez comment je suis bibi. Mais vas-y, les tenues qu'il me propose, elles sont vraiment nulles, quoi. Coucou Elfina, merci beaucoup. Je sais pas trop comment dire ton pseudo, mais merci pour le follow, en tout cas. Ça faisait trop longtemps que j'en avais pas vu. Je te suivais avant, il y a super longtemps. Comment vas-tu, Alia? Oublie pas de parler à la sœur. Ah oui, pour la machine à coudre. Putain, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. ACNL, t'en as pour pas mal d'heures de jeu, en vrai, la grenouille. Hein. Si tu veux investir, franchement, let's go. Hein. 240 le nœud et ACNH, c'est 490, t'inquiète. La petite inflation, là, 50%. Attends, mais même plus, ça fait 100% du prix, en fait. Après, d'un côté, dans ACNH, l'argent... Ah non, tu me diras, l'argent, il est plus facile de le... Je trouve que l'argent est plus facile à avoir dans cet opus que dans ACNH. Parce que dans cet opus, en fait, t'as l'île, et du coup, tu peux aller sur l'île et attraper les scarabées à l'infini. Donc, en fait, je trouve que l'argent est beaucoup plus facile à choper... À choper là. T'as des astuces pour la cote de confiance? Aucune idée. Je vais gratter l'amitié avec mes habitants, regarde. Hop. Écrire une lettre. Vous êtes prêts ou pas? J'en ai trouvé une à 89 euros de 3DS. Je fais quoi? Il va y avoir une remontada des 3DS, là. On va écrire à Coaline. Coucou. T'es violette. Coucou. Fait. Oh! Merci beaucoup pour ton follow, Dan. Coucou, fais gaffe. Hein. T'es un peu. Oh, puis je sais pas écrire, allez. De toute façon, ils vont rien lire. Ils vont pas lire, de toute façon. On s'en fiche. Merci beaucoup, Loan, pour le follow. Bienvenue. Ils vont pas lire, de toute façon, les gars. On va écrire à Nonos. On va lui dire « Je t'aime ». Ça, c'est une déclaration d'amour, carrément. Voilà. « Je t'aime ». On met une petite pomme à l'intérieur pour espérer qu'il nous renvoie des fruits. On va écrire à Théo, maintenant. Coucou, t'es bleu. Voilà. La 2DS XL, elle se ferme, non? La 2DS, c'est pas justement la console qui se ferme pas? Qui fait un espèce de bloc comme ça, là? Yes, j'en ai une, hein. Ah, c'est pas celle-ci? La XL, si. Ah, la 2DS XL, elle se ferme. Par contre, la 2DS classique, elle se ferme pas. Ok, d'accord. J'y étais pas. Et on va écrire... Oh là, non, pardon, j'ai posé un truc par terre. Hop. On va lui offrir un piège. Tu penses qu'il va être content ou pas? On va l'offrir à Clarabelle parce qu'on l'aime pas. Hop. On va lui écrire « Dégage ». Et on va lui offrir un piège. Voilà. Allez. Super le cadeau. Elle va plus vouloir vivre ici.
Le concept est parti avec le XL. Coucou Claclou, comment ça va? Je suis depuis tout à l'heure en lurk et je me suis dit qu'il fallait que je vous fasse un petit coucou. Comment vas-tu? C'est bon, tiens, je t'offre tout ça. Opélie, va faire ton rôle de... Allez, go. C'est parti. Hop, envoyer du courrier. Merci beaucoup, Alia, pour le follow. Bienvenue. C'est sûr que tu veux augmenter et pas diminuer ta cote. Mais c'est bon, t'inquiète pas, ils vont rien comprendre. Ils vont croire que c'est des lettres d'amour. Coucou, Xo. L'écran de la 3DS. Moi, c'est des 3DS classiques que j'ai. Elles sont toutes petites, regardez. Quand tu mets ta main... je sais pas si vous allez... Attends. Tu vois ou pas? Ça fait la taille d'une main, on va dire, entre guillemets. C'est vraiment genre les toutes petites... des toutes petites, quoi. Ah, CNL, la belle époque. Mais oui, XL, c'est plus confort pour jouer. Ben oui, mais en fait, si tu veux, la raison pour laquelle j'ai des 3DS classiques, c'est que déjà, le capture board sur les 3DS comme ça, c'était à 500 balles. Et à l'époque, les capture boards sur les XL, je crois que ça frôlait les 700 euros. C'était 680, un truc comme ça. Tandis que les capture boards sur celle-ci, c'était entre 450 et 480. Tu vois, un truc du style. Donc, comment te dire que avec Nexus, quand il nous a fallu un deuxième capture board, ouais, 700 balles. C'est super cher, ouais, c'est horriblement cher. Donc, quand il nous a fallu, pour Yo-Kai Watch, vu qu'on faisait l'aventure en duo, puis pour les Pokémon, etc., comment te dire qu'on est vraiment allé au plus... On a pris les premières, quoi. On a pris les toutes petites à 500 balles, quoi. Sinon, chaud, quoi. Coucou Chloé, comment ça va? Alors, bon, elle augmente pas la cote de confiance, là. Je vais quand même pas arroser toutes les fleurs de mon patelin une par une. Bon, je crois que si, finalement. Allez. Quelle vie passionnante! Et y a pas un autre habitant qui peut me demander si je le trouve beau ou pas? Je vais lui redire, moi, le fond de ma... Attendez, les trous, là, faut machiner, voilà. Si je t'aime Travendl sur CNL, je m'en fiche un peu, je t'avoue. Pour être honnête. Hop. Ah, ici. Il est déjà presque 16h, j'étais censée laver ma voiture. Allez, let's go! Debout! Y a rien du tout par là. Ah, si, là. On arrose. Là, ici aussi. Ici aussi. Quel habitant que tu détestes? Je sais pas. Il y en a beaucoup que j'aime pas. Hein. Genre Clarabelle, par exemple. Clarabelle, c'est non. Ouais, j'ai déjà changé mon drapeau. J'ai déjà changé mon hymne. Non mais là je pense qu'il faut que je fasse des services aux habitants quoi. Sauf que est-ce que j'ai envie de leur rendre service? Je sais pas quoi. Aurais-tu quelque chose à me dire? Oui, tu es belle. Dis-moi Fluffy, dans quelle partie de la ville as-tu installé ton petit nid? Plus loin par là, juste à côté d'ici, dans cette direction. Hein? Juste à côté d'ici? Oh, juste à côté? Magnifique, c'est un emplacement idéal pour une maison. Où que soit située ta maison, tu peux toujours compter sur le facteur. Tu n'ignores pas que notre ville dispose de son service postal, n'est-ce pas? Tu veux pas venir chez moi visiter ma maison? Ça me fera des points, s'il te plaît. Il y a Clarabelle qui s'est incrustée dans la conve, je l'ai vue sur le côté. Tu parles beaucoup? Il y a quelque chose que je peux faire pour toi, oui. Tant que j'y pense et avant que j'oublie. Oh là là, ça y est. Oui, je sais, j'y ai jeté un œil au panneau d'affichage. C'est bon. Attends, je vais parler à Clarabelle qui est derrière, là. Eh, ça gaze, hein. Bon, je peux faire quelque chose pour toi? Oui, te casser. Chérou, merci beaucoup pour le 4e mois. Merci énormément du soutien. Merci Honorine pour le follow.
Ouais, message dans le message panneau d'affichage, j'en ai mis. Bou, merci beaucoup, Liemi, pour tes bits. Merci beaucoup. Tiens, ton arrosoir, il ressemble vachement au mien. Logique, vu que c'est le seul modèle qu'on trouve dans le coin. Putain, on peut pas la balancer à l'eau? Balancez-la à l'eau! Mettez le burger à l'eau! Bon, attendez, vous m'avez dit quoi? Le drapeau, je l'ai changé aussi. J'ai la DS Lite de ma mère qui jouait lorsqu'elle était enceinte de moi. C'est la première console auquel j'ai joué. Ça m'a fait de la nostalgie à chaque fois que j'y rejoue. La DS Lite, hein? Putain, je sais même pas laquelle c'est. Ah si, je vois ce que c'est. Ok. C'est bon, c'est la DS Tank, mais qui était en light, justement, qu'ils avaient refait ensuite. Hein. Ah oui, putain, les badges! Attendez, mais Helium, je l'ai pas encore croisé une seule fois. C'est vrai, ça? Ils sont où, les badges? Oula, attendez, je suis dans des onglets, là, je sais pas ce que c'est. L'hymne, ouais, je l'ai fait. Je crois que j'ai pas encore de badge. J'ai pas encore croisé Helium. Faut que tu les débloques. Ah. Ouais, mais attends, c'est chaud là. Hein. Fais ta carte d'identité. Ouais, j'ai même pas la cote de confiance encore. Attends. Fais ta photo. Ouais, attends, je vais faire ma photo. Hop. Hop. Ah. Mon fruit de base, c'est la pomme. Plante des fruits. Une nouvelle méthode de arnaquer mes habitants. Oui. Attends. Bah, en soi, les badges de ACNH, c'est les miles, Dialox. Après, c'est pas exactement la même chose, mais c'est les badges, hein. Enfin, c'est les miles. En fait, ça revient au même, c'est des succès, tu vois. C'est juste que ça a été remplacé par un autre truc. Bonjour, madame le maire. Permis de construire. Non, mais c'est pas possible. Il me déteste. J'ai gagné 3% depuis tout à l'heure. Non, c'est pas possible. Il me déteste, hein. Il préfère les fleurs. Bah, c'est déjà 3%. Change de jour au pire pour les lettres. Attends, j'ai ma maison. Oui, j'ai une maison. Attends, je vais chez Risette. C'est quoi le truc, l'objet phare, là? La pêche parfaite. Oh, j'ai pas de pêche parfaite, c'est des pommes. Les coupons rouges de la CNL, c'est pas plutôt les miles? Ah, peut-être, en effet. Ouais, les fossiles, j'ai donné déjà. Il y a que des trucs à moi dans cette maison. Non, t'étais à 43. Ouais, mais après, j'ai fait 45. Après, j'ai fait 48. Et maintenant, j'ai fait 51. Donc, en fait, à chaque fois, je gagne 3%. On n'est pas sorti de l'auberge, hein, moi, je vous le dis. Hop. Le rubis. On va vendre ça environ 9900 clochettes. Environ. Une petite inflation de 300%. Même 400%. Une petite inflation, vite fait. Genre, un tout petit peu, tu vois. Pourquoi le dino, il est ici? C'est pour vendre. Venez. Venez acheter. Il n'y a personne qui rentre. Samedi, il y a beaucoup de monde dans ton magasin. Putain, mais il y a personne.
Bon, vas-y, tu m'as saoulé. Ils ont pas envie, quelle foule. Les habitants le prennent pas si tu mets plus cher que Risette. Non, pas forcément. Anna, en fait, ils acceptent jusqu'à un certain seuil, mais justement, bah, tu vois... On a testé la dernière fois, on a vendu des trucs plus chers, ça a marché. Merci beaucoup, Clara, pour le follow. Bon, attendez, les habitants. Ils habitent... Ils sont où? Où sont-ils? Ici, il y a des habitants. On va aller gratter l'amitié. Vous êtes prêts ou pas? Hop. On va aller gratter l'amitié. Merde, c'est chez Théo, ici. Hop, hein. Ça, c'est quoi, Aline? Elle est dehors. Elle est où? Ça, c'est qui? Ça, c'est la maison du bacon, hein. On n'a pas eu notre pierre à clochette aujourd'hui. C'est pas celle-là. Tu penses que c'est celle-ci? Non, c'est pas celle-là. Faut changer de jour car les actions que tu répètes comme parler à un habitant te donnent de moins en moins de points si c'est le même jour. Attends, on va changer de jour juste après, mais je veux juste croiser Koaline et quoi que ce soit là. Du bacon. Oui, c'est l'autre là, je sais plus comment elle s'appelle. Rose. Le cochon. Mais ils sont où? Mais c'est un truc de fou. Hé, hey, vous êtes où? La cote de confiance, ça avance pas trop. Ouais, vous, ok, d'accord. Mais impossible de croiser Koaline et Rose aujourd'hui. T'as pas le mégaphone? Oh, le mégaphone. Il me faut un mégaphone. Oh, bacon, attends. Attends, il me faut un mégaphone. Eh, ça fait un petit bout de temps qu'on n'a pas papodé toutes les deux. Bah, tu te planques aussi, c'est pas de ma faute. Moi, j'y suis pour rien. Merci Gabin pour le follow, bienvenue. Franchement Fluffy, je suis canon aujourd'hui, non? Allez, fais pas ta timide, prends ton appareil photo, c'est un ordre. D'accord. Allez, vas-y. C'est carrément pas mon genre de dire des trucs sérieux, mais est-ce que tu penses à sauvegarder? Oh, ça y est. Bon, attends, on va avancer, hop. Tu vas crier Rose dans la 3DS. Oui, il me faut un mégaphone. Attendez, je veux un mégaphone. Il me faut un mégaphone. Hop. Oh, le mégaphone, la meilleure invention. Tu hurles comme ça. Helium! T'as Helium qui va faire... Je suis là! Quel kiff le mégaphone, mais oui! En fait, ça te permettait de savoir un petit peu qui était là. Ça te permettait un petit peu de savoir qui était là. Bah, genre, par exemple, Helium, tu vois, moi qui disais... À tout moment, je l'ai loupé, hein, il était sur la plage, tu vois, je sais pas, moi... Quelque part, tu vois. Il me faut un mégaphone. Non, il va falloir qu'on avance la date, madame. Hop. En même temps, j'espère que t'auras une bonne nouvelle pour moi et que tu vas m'annoncer que j'ai ma cote de confiance, s'il te plaît. On est le 7 janvier, c'est parfait, et il est 16h49, ok. Vive le mégaphone, ah mais vraiment, hein. Te plante pas, hein, crie Rose et pas bacon. Imaginez, je crie bacon, elle se reconnaît. On va faire des tests. Saucisson! Oh, je veux dire, madame le maire, une nouvelle âme s'est installée. Oui, je sais, je sais, je sais, je sais. On va rencontrer Faust, là ça va être incroyable. Allez, c'est parti. Viens ici, mon meilleur ami. Lui aussi va finir en saucisson. Alors. Oh! Regarde! J'ai une fleur rose! Une fleur orange! Ok, attends, on va réarroser ça juste après. Mais juste avant, on doit regarder nos lettres. Qui est-ce qu'on a? Il y a deux personnes qui m'ont répondu avec un cadeau. J'ai sauté de joie en ouvrant ton cadeau. Merci, c'est l'occasion de t'offrir ce cadeau que j'avais repéré depuis longtemps. Pourvu que ça te plaise, Koaline. De Nonos. Merci pour ton cadeau, il était délicieux. En fait, je crois que tant que c'est comestible, je ne pourrais être que conquis. Voilà pour te remercier. Tu penses qu'ils m'ont donné un fruit ou pas? S'il te plaît, donnez-moi des fruits. J'ai pas tous les fruits. Hop, hein. Là,
Vas-y, ouvre. Non, c'est un t-shirt. C'est une tapisserie. Vas-y, fais voir. À tout moment, c'est joli. C'était tellement mieux de ramasser les fleurs comme ça. C'est surtout que maintenant, j'ai tellement peur de les péter, tu sais, entre les deux. Oula. Beaucoup de place. Alors, la place est un peu restreinte. Je crois qu'il va falloir agrandir la maison, non? Super déco. Waouh. Coucou Soso. Ouais, t'es pas décoratrice d'intérieur, hein, comme dirait Lisa. Lisa, là, elle revient sur le stream. Elle va dire, ouais, t'es vraiment pas décoratrice d'intérieur sur tous les jeux vidéo, toi. Waouh. On m'a donné la tapisserie de ma grand-mère, quoi. Et ça? Oh, quelle horreur. Bon, c'est pas grave. Faites abstraction. On dirait Margave. Faites abstraction de la déco, s'il vous plaît. Hop. Tu devais pas vendre le guide au début parce qu'il faisait crash. Bon, je l'ai posé là, mais je l'ouvre pas du coup. Bon, attends, on va tout poser. On va regarder ce qu'il y a sur le panneau d'affichage. On va aller chez Nook. On va voir s'il a un mégaphone. On a plein de choses à faire. Il faut qu'on ramasse nos fossiles. Il faut qu'on ramasse... on a plein de trucs là. Hop. Attendez, vous savez quoi? Plutôt que de vous mettre là sur le côté, je vais vous mettre là. Comme ça, je vous vois mieux au niveau du chat. Hop. Alors, on a un nouveau papier peint. On a... des objets, les deux lisses, là, je vais les utiliser pour les mettre je ne sais où. On a des t-shirts, les pièges, j'en fais quoi des pièges? Vas-y, je les mets là, les pièges. Hop, hein. Le mégaphone, c'est pas la deuxième ou troisième amélioration? Non. 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 Aujourd'hui, c'est l'anniversaire de Théo. Théo! Je vais gratter l'amitié! Il nous faut un cadeau pour Théo. Attendez, on va gratter l'amitié chez Théo. On va gratter l'amitié chez Théo. C'est le premier Animal Crossing, c'est lequel? Non, c'est pas le premier, c'est Animal Crossing New Leaf. Oh, ça, y a Racine qui s'installe. Vous avez vu sur le côté? Alors, je crois qu'en effet, le mégaphone, vous avez raison. Vas-y, je vais acheter. Par contre, ça me fait chier de lui donner l'armoire minimaliste. Je l'aime bien. C'est passé son anniversaire. Comment ça s'est passé son anniversaire? Comment ça s'est passé l'anniversaire de Théo? Ouais, sur 3DS, exactement, Pélopia. Coucou Gaïa, comment vas-tu? J'espère que tu vas bien. La nif, c'était le 2, Fluff. Je comprends mieux maintenant pourquoi les gens m'intéressent. Je comprends mieux maintenant pourquoi les gens me détestent, non? Je suis même pas mieux à son anniversaire. C'est pas grave. Bon. Alors au niveau des... Oh là là. Tu viens de me faire allumer ma DS alors que j'y avais pas touché depuis au moins 6 ans. Attendez, je vais me mettre les pansements comme ça sur la tronche. Ça, c'était le feu à l'époque. T'avais tout le monde qui se mettait ça sur la tronche en pensant que c'était grave esthétique. Car je suis blessée. C'est quoi ça? Une monture ronde. Non mais vas-y, on n'est pas Harry Potter ici non plus. La toque de chef, là. Il y a le chapeau de Pinocchio ici. Je les mets toujours sur ACNH. Non, vraiment, les pansements, c'est grave un truc que tout le monde met en mode... Ça rajoute un truc, tu vois. Alors. Là, il y a Racine qui est en train de s'implanter. Je sais pas quoi faire pour la cote de confiance. Je vais arroser les fleurs. Bisous, Alice. C'est la 15e fois que j'arrose les fleurs de la journée. Sauvez-moi, je vous en supplie. On peut
l'impression que les boutiques étaient plus stylées avant que sur Switch. Bah déjà la boutique de base, elle avait pas qu'une seule amélioration, Pelopia, elle avait trois améliorations, non ? Le mini, le petit Nook, le Nook classique, le méga Nook et le grand grand Nook, enfin les galeries Carla. Il me semble, il y en avait 4. Putain, il y en avait combien ? J'ai vu. Plante des arbres. Ouais, j'avoue, je vais planter des fruits. 4, 5, je sais plus. Vous me mettez un doute ? 4, 5. Parce qu'à la fin, t'arrivais, t'avais les galeries Carla, carrément. 5 dans ACNL et 4 pour les opus précédents. Enfin, on s'est vraiment fait douiller, quoi. À quel moment le peuple a pensé que c'était normal de se faire douiller autant dans ACNH ? On est passé de 5 améliorations de la boutique, hein, enfin de 4, de 5 stades de la boutique, donc 4 améliorations, à une. Et tout le monde pense que c'est normal. Genre tout le monde accepte. Nintendo, réveillez-vous. On va planter des fruits, parfait, il y a un écho, c'est normal. Sur TikTok ? Non, c'est pas normal. T'es la première personne à me le dire. Ah. Par contre, je vais pas planter ça trop près parce que sinon, après, ça va pas pousser, donc... Il y a un écho sur TikTok ? Ça, c'est marrant. J'aime mieux les précédents opus justement pour ça. Bah, il y a plus de boutiques en fait. Avec plus d'améliorations et... Attends, Clarabelle, bouge pas, faut que je te parle. Hop. On a planté quelques trucs là. Ouais, bien sûr qu'on l'a mangé la galette qu'on a fait en live la dernière fois. On en refait une demain avec la brioche des rois. Hello, bien Fluffy. Et donc... T'avais besoin de quelque chose ? Je passe pas mal de temps chez moi en ce moment. Je teste différentes configurations avec mes meubles. Tiens, tu devrais... Oh ! ...17h30. Non mais il est quelle heure là ? Attends, on va pas attendre une heure pour aller chez toi, madame, hein ? On peut pas avant 17h30. Elle a dit je suis libre à 17h30. J'ai pas le choix en plus. Vas-y, 17h30. Il est quelle heure? Oh, ça va. Vous me rappelez? 17h30, dans 32 minutes. Clarabelle, d'accord? On a rencard. On a rencard avec la femme de notre vie, d'accord? Avec le hamburger de notre vie. Hop. Nous aussi, on est allé aux courses ce matin, Nini. Quel enfer. Hop. On fera des visites de deal une prochaine fois, Amy. Là, vu que je suis au tout début, j'essaye d'avancer un peu. Enfin, déjà, j'essaye d'obtenir ma cote de confiance à un moment donné. Une heure et demie. Non, dans mon jeu, regarde. Dans mon jeu, il est déjà 17h. Donc en gros, c'est à 16h30 qu'on a rendez-vous, exactement. Il y a une heure d'avance dans mon jeu. Pourquoi, j'en sais rien. Hein. Hop. Rien d'autre ici. Coucou citrouille. Vas-y, toi. Toi, je sens que tu sens les clochettes. Pas du tout. Elle ne sent pas du tout les clochettes. Hop. Il y a Faust qui s'est installé. Venez, on va faire semblant de l'aimer. Oh, la maison dégueulasse qu'il a en plus. Oh non. Oh non. Hein, t'es du coin ? Non mais regarde l'extérieur de ta maison là. T'as une maison tout en fer. On dirait Alcatraz, le bail. Hein. Faut s'arrêter, monsieur.
Lui, en vrai, il est mimi. Je l'imaginais pas comme ça, mais par contre, la maison, quoi. D'accord, ok. J'ai essayé de... Comment dire ? J'ai essayé de secouer mon arbre, au final, j'ai pas réussi. Oh, toi ! Attends. Hop. Toi, ici. Merci beaucoup, Kiara, pour le follow. Bienvenue. Le numéro du jour n'a pas été tiré, vas-y. Ah, mais c'est le monstre de mes terreurs nocturnes. Faust ? Mais non. Allez, vas-y. Je l'ai pas. Oh non. J'ai le 11. J'ai le 10, 11, 12, 13. J'ai pas le 14. J'ai le 10, 11, 12, 13, pas le 14. Ça fait quelques jours que je regarde à nouveau tes lives. À cause de toi, je me suis remise à CNH. Bref, cœur sur toi. Merci beaucoup, Overloose. Ah, attends, cette pierre. Non, pas d'argent dedans. C'est quoi ? On va aller faire un petit coucou à la mairie en mode « Hey, ma cote de confiance, elle est à combien, là ?» Vas-y, montre-nous. Les habitants qui s'installaient là où tu voulais pas à l'époque. Ouais, puis tu sais, on faisait tous l'astuce où on essayait de mettre du sol un peu partout, sauf à certains endroits, pour qu'ils s'installent, sauf que ça marchait jamais comme tu voulais. Ah non, j'ai pas éteint ma Switch en effet hier. Merci Noctulix, je viens de l'éteindre du coup. Permis de construire. Putain, ça a augmenté d'un seul coup quoi. Mais c'est ça qu'on veut! Tu vois, ça c'est bien! Coucou Simba! C'est ça qu'on veut! Ça a augmenté d'un seul coup! Non, en fait, c'est juste que quand je quitte les lives, des fois, je pense pas éteindre ma Switch et du coup, bah... J'avais pas éteint mon dock. Okay. Est-ce que tu penses qu'aujourd'hui, il y a quelqu'un qui va venir acheter mes trucs dans chez Risette? On va aller voir. Là, j'ai ma boule. Là, j'ai mon fossile. Ah, pas du tout. C'est pas un fossile du tout. C'est les lettres qui font tout ça. Tu crois? Faut que je renvoie des lettres aux habitants? Tu crois faut que je leur envoie des lettres? Qu'est-ce que je peux faire pour toi? J'essaie depuis des jours de prendre une Ligi. Oh non, elle va me demander. Je me demandais que toi, tu y arriverais sûrement. C'est quoi une Ligi? Coucou Flo! Attends, c'est quoi une Ligi? Comment j'obtiens la Ligi? C'est les bêtes sur la plage, je crois. Attends, mais comment je trouve ça? C'est le cafard de la plage. Il faut creuser ou un truc comme ça? Ou pas du tout? Par contre, je sais pas où est-ce qu'elle est, ma deuxième boule. Vous l'avez vu, ma deuxième boule, ou pas? Hop. Non. Oh, attends. Oh, attends, il faut te parler, toi. J'ai un truc dans la poche, je te raconte pas, une arme en carton. Putain, je suis obligée d'accepter. Vive le troc, je suis obligée d'accepter, il faut que je lui fasse plaisir, faut que j'ai la cote de confiance. Même si je m'en ratatine la tronche de sa tête, hein. J'ai fait du troc. Allez, va là-bas. Pousse-toi. M'énerve les habitants ici. Sur ACNH, ça se trouve sur les rochers. Non, elle est visible. Ok, coucou Martois. Ok, attendez, je vais aller chercher l'insecte du coup. Ça fait une paye, tu t'es offert une période d'hibernation. Mais qu'est-ce que tu racontes, toi?
C'est juste toi qui t'étais caché. Ok, le fossile. Comment j'appelle ma ville? Perso, ici, c'est Flumera. Il faut trouver la deuxième pierre, mes chers compatriotes. J'adore la musique d'Animal Crossing New Leaf. Je suis vraiment désolée, mais ma grosse passion. T'as combien de degrés d'amitié? Alors, la cote de confiance, elle est à 77, claclou. C'est pas mal. Il y a un habitant, il y a Pécan qui m'a demandé une Ligie. Donc c'est juste comme ça sur, sur la plage. Ok, ok. Mais oui, merci beaucoup, je me souvenais plus que c'était ça. GG, mais voilà, c'est ça qu'on veut. Pécan, donne-moi la cote de confiance, grognasse. Pécan, viens ici. Tiens, prends ta Ligie. Là, toi. Tiens, regarde, j'ai ta bestiole. Oui. Mange. Mange. Pas du tout. Oh, tu as attrapé l'insecte que je t'ai demandé, comme c'est gentil à toi. Tu mérites bien une petite récompense. C'est quoi ça encore? Ils se débarrassent de tout ce qu'ils veulent pas dans leur chambre. En fait, tout ce qu'ils veulent pas dans leur baraque, ils me le donnent. Mais à quel moment tu vas dans un magasin et tu te dis « Waouh, mais avec ça, je vais faire un outfit de malade !» Putain, mais non! Je suis une poubelle! Je suis une poubelle! Merci beaucoup, Force, pour le 7e mois. Merci beaucoup pour ton soutien. Merci énormément, Force. C'est la première fois que je viens ici et le setup est trop trop joli. Merci beaucoup, NSO. Merci, merci. Bon, attendez. Moi, j'ai des choses à vendre ici. Il faut que j'arnaque des habitants. Oh! Les objets phares, c'est les meubles. Attends, attends, mais moi, j'en ai plein des meubles, hein. Je me connais pas. Attends, 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 attends. Ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire qu'il va me racheter mes meubles deux fois le prix? Par contre, je trouve pas ma deuxième boule. La deuxième boule, elle s'est paumée, hein. Oh, elle est là. Oh, oh la vache. C'est pas du tout la porte à côté. Attends. On apporte la boule, on fait le deuxième bingo. Ensuite, une fois qu'on a fait ça, on va chercher nos meubles et on va tout vendre le double du prix. Oh merde, c'est là. Oh merde, oh merde. Mais quel con. Mais quelle idiote. Mais non. J'ai pas fait les trous. Quelle erreur du débutant. Mais quelle erreur de débutant. Elle l'a écrasé, comment ça? J'ai écrasé ma boule? T'as écrasé la boule? Non. Tu l'as tué? Putain, oui, y a plus ma boule! Tout ça pour que dalle d'argent en plus, hein. Attends, elle va rip-up. Il y a plus l'île multijoueur sur ACNL. Attends, mais ils ont pas coupé le online encore, Ma. C'est pas tout de suite. C'est en avril. Attends, je récupère mes meubles. L'armoire minimaliste, je veux la garder.
Ça, par contre, tout ça, je veux vendre. Voilà. Ça, on va vendre. T'es l'incarnation de Nouvelle. Non, mais attends, elle va ripop. Normalement, si tu rentres et que tu sors d'un magasin, ça ripop. J'ai cru voir que dans certains pays, le online avait été coupé plus tôt. Et en France, non ? Oh, les pauvres ! Non ! Ils ont osé couper les serveurs alors que c'était pas la date ? Enfin, vous me faites flipper, là. Ça veut dire qu'il faut qu'on mette le turbo, hein ? T'imagines, on se fait couper le online ? T'imagines ? Enfin, moi, ça marche. T'imagines ? Certains pays, oui. Ah, les boules. Oh, il y a quelqu'un qui a mis une plante. Oh, je veux le petit cactus, il est trop mignon. Je veux le cactus. Je veux le cactus. C'est tout ? Je crois qu'en France, ça a été coupé parce que ça fonctionne pas. Bah, j'ai des personnes sur le stream qui me disent que ça fonctionne bien. C'est bizarre. 480 clochettes, j'achète. C'est beaucoup trop mignon, il me faut ça. Oh, oui, viens. Non, pas la chaise, hein. Regarde toutes ces belles œuvres d'art. Oui. Oui, il y a quelque chose qui te plaît. Ça, c'est à moi. Vas-y. J'ai bien envie de m'acheter cette queue dans Kilo. Achète-toi toutes les queues que tu veux. C'est bien toi qui l'as mise enfant, pas vrai? Oui. Je devrais l'acheter après toi. Bien sûr. Bien sûr. Si tu me conseilles de l'acheter, je ferais mieux de t'écouter. Et comme j'hérite de tes affaires, c'est un peu comme si tu étais ma grande sœur. Ouais, j'ai été sur l'île multi tout à l'heure avant le stream. Le online fonctionne encore en France. Ok, c'est chelou. J'aimerais acheter ça, c'est possible. Attends, je l'ai mis à combien en vente? Nono, c'est ton pigeon préf en fait. Oui, c'est déjà lui qui avait acheté mon truc. Je peux te donner l'argent. Je viens de lui extorquer 10 000 balles. Merci Nonas. Merci beaucoup. Fluffy Nook. Attends, je vais remettre un truc en... J'ai plus les mots. Je vais extorquer 10 000 balles. Allez. Ça, normalement, ça coûte 2 000. Non. Allez, 9999. C'est une offre en or, les amis. C'est une offre en or, je vous le dis. Client fidèle, le nonos. Oh mon dieu. C'est devenu ma technique d'argent préférée depuis que je l'ai découverte avec toi. Oh putain. J'arrive sur le stream et je vois Fluff en train d'extorquer un pauvre animal sans défense. Alors, non, déjà. Il a acheté de son plein gré pour commencer. Je l'ai juste un peu poussé à réaliser cet achat. Mais l'achat a été réalisé de son plein gré. Elle est où ma boule? Coucou Shiro, coucou Dim. Dim, j'ai attendu ton emoji chaise dans le chat quand j'ai commencé mon stream. Et j'ai vu que la chaise n'arrivait pas. Donc du coup je me suis dit, ah je suis déçue, Dimitri n'est pas là aujourd'hui pour déposer sa chaise dans mon chat avant que je commence mon live. Ça m'a manqué, il me manquait quelque chose. Ah merde, c'est l'eau là. Attends, il faut qu'on passe par en haut les amis. C'est trop risqué. Poussez-vous. Aïe, oui, aïe. Il y a beaucoup d'arbres sur mon chemin, là. C'est bon, je suis passée.
Hop. Ok. Je suis arrivée là. Ici. Comme ça. L'un à côté de l'autre. Des petits amoureux. Bah voilà. Je faisais mes courses et ta faute aussi, parce que je suis arrivée en retard, ouais, je sais. Tu peux réduire tes poules en les faisant rouler sur le sol sans neige. Ouais, je sais. Mais là, j'essaye d'avoir des bingo yeti. Oh oui, je l'ai, le 16. Comme ça, je peux remplir ma grille. Yes. Après, je ferai toute la famille. J'essaierai de prendre une photo avec toute la famille en long. Ça va être chiant. Oh, non ! Il me la fallait. Je l'avais pas, cette fleur-là. Non. Ouais, je devais aller voir je sais plus qui chez elle, mais c'est pas encore l'heure, c'est à 30. Non, il y en a d'autres. T'as le petit Yeti, t'as le Mama Yeti, t'as le Titi Yeti et t'as le Papa Yeti sur ce jeu. T'as 4 bonhommes de neige différents. Mais là, je fais que des bingo yeti, mais il faudra que je fasse les autres aussi une prochaine fois. Merci Marie pour le follow, bienvenue. N'hésitez pas, pour ceux qui sont sur TikTok, si vous avez Twitch, pour participer un peu plus au chat. Hein. Je vous lis un petit peu sur TikTok, mais c'est vrai que bon, vous avez pas toute l'entièreté de ce qui se passe, quoi, on va dire. Ah, il faut que je... Attends, faut que je fasse une capsule temporelle, là? Je la remets entre tes mains. Ok, il faut qu'on aille mettre une capsule temporelle sous terre. Attendez, je la mets vraiment dans le sol ou j'ouvre? Non, le but, c'est d'être leur ami. Fluffy, le but, c'est d'être leur ami. Tu ne peux pas. Je joue sur 3DS. J'ai juste un capture board. La capsule temporelle, on va la mettre là, ici, devant... Vous vous en souviendrez ou pas? Là. On enterre. On ne lit pas. Voilà. Parce qu'après, sinon, ça va baisser la cote de confiance et tout, ça va me saouler. Ok, c'est fait. Alors, que voulais-tu me dire? Je l'ai enterré. Merci beaucoup, rayon gentillesse. Personne ne t'arrive à la cheville, mon trésor. Donnez-moi la cote de confiance. Les serveurs ferment quand? En avril. On n'a pas plus de précision. C'est chez qui que j'ai rendez-vous déjà, les amis? À 30. C'est chez qui que j'ai rendez-vous à 30, les gars? Clarabelle. Ah oui, c'est vrai, ça. Le burger. Ah, je suis un peu en avance. Comme je savais que tu venais, j'ai fait le ménage comme une dingue aujourd'hui. Attends, mais là, ça veut dire qu'on est en train de faire le rendez-vous, là? Attends, je suis juste rentrée chez toi? Par hasard, comme ça. On est en train de faire le rendez-vous? Coucou Gacha Crossing. Tu peux facilement retirer la poussière d'un tapis. Quand les serveurs vont fermer, ça va impacter quoi, le multi? Ouais, en fait, quand les serveurs online vont fermer sur 3DS, il y aura plus... tu pourras aller sur l'île, mais tu pourras plus être avec des gens. Tu pourras plus faire de visites oniriques et inviter des gens chez toi, quoi, en gros. Ça enlève les services multijoueurs, entre guillemets. Mais on parle de la 3DS, on parle pas de la Switch, Ariana. La 3DS, le online, il est gratuit, on le paye pas. Attendez, mais je suis vraiment en train de faire le rendez-vous chez elle ou bien, là? Je crois pas, les gars. Hein. Les gars, je suis pas en train de faire le rendez-vous chez elle. Hein. Je crois qu'il faut que je revienne dans 10 minutes. Ah non? Quoi, tu mets déjà les voiles? Dis-moi au moins comment tu trouves mon chez-moi avant de partir. Ah bah si, on est en train de faire le rendez-vous. Bah c'était vraiment nul, hein. Merci d'être passé, on se revoit plus tard. Ah bah c'était vraiment nul, le rendez-vous, hein. Super. Ok. Du coup, on a fait le rendez-vous. On va aller voir la cote de confiance. Oh, attends, elle veut me dire quelque chose. Oh, on ne tape pas les habitants, on ne tape pas les habitants.
Ça fait déjà longtemps que je te surnomme Fluffy. On devrait peut-être prendre le temps de réfléchir à un surnom qui t'irait mieux. Vas-y. Ça te plairait ? Vas-y, tu pensais à quoi ? Ma pêche. Ma pêche. Bonjour, ma pêche. Ma pêche. Putain, c'est tellement nul de devoir être d'accord avec tout là, parce que sinon je perds la cote de confiance. Y'a pire, mais vas-y, ma pêche quoi. Quand elle va me voir, elle va me dire coucou ma pêche. Non, je ne suis pas ta pêche. Pousse-toi, jambon. Ok. La cote de confiance, elle en est où? Eh non! Là, Marie. Tu vas, j'ai la cote de confiance là, c'est sûr. Hop. Marie, j'ai la cote de confiance. C'est sûr et certain. Je crois pas en local, Nonopeur. Moi, je dis 92. Non, je l'ai. Hey, j'ai été chez quelqu'un. J'ai attrapé une Ligie. Non, je l'ai la cote de confiance là. J'ai rendu deux fois service et tout. J'ai menti à quelqu'un en lui disant qu'il était trop beau et tout. Super longtemps, c'est fondant à Anna. Célia. Putain, j'ai 99%. Il dure super longtemps, c'est fondant. J'en ai reçu de nouveau aujourd'hui. Les gros, moi, ils me font 40 heures environ, donc ils me font toute une semaine, voire plus. Putain, mais non, 1%. Qui veut me parler? Parlez-moi, parle-moi, de grognasse. Viens ici. On se voit beaucoup aujourd'hui, bizarre. T'aurais pas besoin d'une petite veste sur veste rouge? Ouais, vas-y, donne, je m'en fous. Donne la veste. Ça a l'air réglo. Prends mon argent, mon corps, ma vie même. Prends tout. Merci. Allez. Fais voir. C'est le truc le moins pire qu'on m'ait donné jusqu'à présent, tu me diras. Vas-y, là j'ai les 100%. Là j'ai les 100%, j'ai accepté. J'ai dit oui. J'ai rendu service. S'il te plaît, donne-moi les 100%. Hop. Madame le maire, permis de construire. Ça fait 5 jours que je l'ai et c'est toujours pas fini. Ouais, ça dure super longtemps. Ah, elle me parle de mauvaises herbes. Il y a des mauvaises herbes. Faut attendre le lendemain. Demain, c'est à 100%. Maintenant, c'est à 100%. Donnez-moi ma cote de confiance. Je veux mes fleurs. Je veux l'arrêt des charmes. J'ai les 20 000 balles. J'ai les 20 000 balles, c'est bon. Ton niveau de chance est un record. Non mais qui a une cote de confiance à 99%? C'est quoi ça? Putain, je sens que j'ai encore un habitant qui va s'installer là. Il va ressembler à rien. Madame le maire! On est le 7 janvier. Non, maintenant on est le 8 janvier. Hop. Regarde, c'est magique, hein? Oh, que le temps passe vite, hein?
Comme c'est incroyable, hein. Il est 17h25, vas-y. Je l'ai fait il y a moins d'une heure, justement. La cote de confiance ? Allez, vas-y. Moi, j'ai Gertrude qui s'est incrustée. Oh non. Un espace jardinage vient d'ouvrir dans la rue commerciante. Ah oui, c'est vrai. Bon, on a déjà l'arrosoir, donc ça va pas nous être utile, le fou. Après, il peut avoir des haches. Ah, attendez, j'ai des admirateurs secrets. Hop, bonbon rose, merci beaucoup pour le 21e mois d'abonnement parmi nous. Merci, comment vas-tu? Oh, Clarabelle. Merci d'être passée, tes flatteries m'ont un peu gênée, mais quitte à choisir, je préfère ça à des critiques désobligeantes. Bon, j'espère que ce cadeau te plaira. Attends, je lui ai fait un compliment sur son intérieur. Ah oui, c'est vrai, je lui ai dit j'adore. Alors que c'était moche, mais bon. C'était pour la cote de confiance, t'as vu? Ok. Une bouilloire. Waouh. Qu'est-ce que je suis heureuse d'avoir une bouilloire. Je suis incroyablement contente. Je viens de voir le Chanel Modo. Laissez pour le moment, du temps qu'il n'y a pas des... du temps qu'il n'y a pas d'écart. Vous laissez en surveillance. Hop. Alors attendez, j'enlève ma pelle parce que sinon je vais tout casser. Hop. Oh non, mais que des fleurs oranges. Bon. Ok, vas-y, on arrose. Par contre, j'ai plus de place chez moi pour mes hybrides. J'ai plus de place chez moi pour mes hybrides. Je sais pas où est-ce que je vais stocker. On a grandi la maison. Ah non, j'ai plus d'argent. Faut que j'utilise pour le... pour l'arrêté charme. Ok, vas-y, on arrose tout. Est-ce qu'il y aura un thème particulier pour la ville? Je pense que je vais rester sur quelque chose de très simple. En mode ville un peu fermière, naturelle, dans ces trucs-là, tu vois. Mêler dans les espaces de rangement. Ah oui, c'est vrai qu'on peut, qu'on peut stocker ça là, sur la plage. Ou sinon, maintenant que j'ai l'arrêté charme, je peux les stocker en extérieur. Avant, je stockais à l'intérieur parce que j'avais pas... Enfin, je savais pas où stocker ça, tu vois. Mais là, je peux peut-être stocker ça à l'extérieur. Attends. On va stocker ça à l'extérieur. J'ai tout arrosé, là, hein. Ouais, j'ai tout arrosé. Hop, on va prendre ça. Oui. Ma plage est remplie d'hybrides. Les hybrides, après, ça va me saouler, elles vont être trop loin, tu vois. Mais sans internet, il n'y avait plus de motif. Bah, justement, c'est la question qu'on se posait la dernière fois. C'est que, est-ce que vu qu'on... enfin, quand il n'y aura plus le online, est-ce qu'on aura toujours internet sur la Switch sur la 3DS? Enfin, est-ce qu'on aura toujours internet pour les motifs, pardon? Waouh, madame, tu viens de bugger. Merci beaucoup, Indicolite, pour ton follow. On sait pas, je sais pas si les motifs comptent. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, on est allé chez Clarabelle hier, elle nous a accepté en avance. En fait, je sais pas si les QR codes comptent comme, comme de la connexion à internet ou pas. Hop, hein. Ici, on met la tulipe orange. Ici, on met la tulipe rose. Tu penses que si je les arrose, ça peut donner des hybrides ensemble ou pas? Réessaye ta cote. Ouais, je suis juste en train de m'installer en même temps. Je m'installe un peu. Genre, est-ce que tu penses que orange plus orange, ça peut donner noir? On va essayer. Il me semble pas que t'aies un côté besoin d'internet pour les codes. Bah en fait, d'un côté, ok, ça marche par QR code, tu vois. Mais d'un côté, pour lire ton QR code, il y a bien une connexion à internet qui se fait à un moment donné, non? Enfin, moi j'ai un souvenir comme quoi il y a bien une connexion internet qui se fait à un moment. Non,
vraiment, t'as aucune connexion qui se fait. Ok, bon. Je pensais, tu vois. Ok. On va les remettre là. Habituellement, les codes sont enregistrés dans un serveur. Ouais, mais s'ils coupent les serveurs, ça veut dire qu'il y aura plus de codes. Je sais pas. En vrai, je sais pas. Franchement, j'en sais rien pour les codes, pour les motifs. J'en ai aucune idée. Ok, c'est arrosé. On va aller mettre l'arrêté charme. Franchement, j'en ai aucune idée. Pendant un an, j'ai pas eu de internet sur ma console et pour autant, je pouvais récupérer les motifs. Ok, bon bah alors voilà, ça répond à notre question. Merci beaucoup. Je pense qu'en effet, si t'as pu récupérer les trucs pendant un an, c'est que ça marche. Essaye de scanner en coupant ton internet. Je suis pas sûre d'avoir internet sur ma console. Ah si, j'ai internet, j'ai vu quelqu'un se connecter tout à l'heure. Bonjour. Attendez, ma code de confiance. Hop. C'était grave bien, CNL, mais oui. Marie, viens ici. Il y a le maire là derrière, le tortimère là, comment il me perturbe. Ok, permis de construire. 100%. Oui. On y est arrivé. Il vous faudra au moins un jour pour l'approuver. Ah, c'est pas grave. Non mais comment ça? Attends, non, il faut attendre demain pour l'arrêté charme. Mais non. Mais Marie. Mais tu te fous de ma gueule, Marie. Ça fout de ma gueule, Marie. Comment ça, on attend demain? Bon bah on attend demain, hein. Marie, on va te boomer. Mais vraiment? Bon, attendez. Attendez, il y a une bataille dans le couloir, les amis. Vous allez entendre du bruit, je suis désolée. Oublie pas le loto avant de t'éter. Attends, je fais même mon troisième bonhomme de neige, hein. Voilà. Non mais, les gars, on a une maison de 70 mètres carrés, ils ont décidé de tous être dans le... Ils sont tous dans le couloir, là. Ils sont tous les trois dans le couloir. Moi, je vous le dis, on va vivre dans un tunnel. Ouais, Wizbot, il est un peu sensible. C'est parce qu'on avait renforcé sa sécurité. Parce qu'aux dernières vacances, on avait eu des trucs, tu vois. Mais en réalité, maintenant, il va falloir que je le rebaisse. Oh là, attendez, mes boules, elles sont pas assez grosses, là. Si tu recules, ça compte comme un jour en plus, t'es sûr? Attends, faut que ce soit plus gros que ça, hein. Pourquoi tu joues pas à CNH? Parce que je varie, je fais pas CNH tous les jours, Yasmine. On fait aussi un petit peu les anciens Animal Crossing parce qu'on aime bien. Il n'y a pas que à CNH dans la vie. Ok, on va la mettre là, ici à côté. Donc ouais, on joue un petit peu à tous les opus d'Animal Crossing qui... Allez, faut agrandir. Ouais, faut qu'on aille agrandir la maison. Attendez, après faut qu'on aille parler à Tom Nook. Parce que là, il n'y a pas beaucoup de place, hein. Le numéro, les amis. Mais Wizbot me répond en plus. Oui, Wizbot, il a une intelligence artificielle, du coup, il peut répondre le numéro 36. Je l'ai. Et là, on est bien avec les bingos, hein.
Attends, numéro 36, toi tu me donnes quoi aujourd'hui? Une armée de papayetti, je vais tous les fouler d'un côté des autres. Allez, vas-y, Dan, le numéro. Il manque le 48 et le 10. C'est quoi? Le prochain live, déjà, c'est la galette. Attends, c'est quoi le chiffre, là? 46. Putain. Pas de bol. C'est nul. Le prochain live, c'est de la cuisine, demain. Et après, faut que je fasse le planning de la semaine pro. J'ai pas encore fait le planning de la semaine pro. Tu peux aussi faire 37 et 9. Ah oui, il y a 37, 9, 48, 10. Ah bah super, ça commence par 0 déjà. J'ai eu deux numéros qui étaient nuls aujourd'hui. Bon, on a la cote de confiance. Il faut qu'on attende demain. On va aller voir si quelqu'un peut nous acheter un truc là-dedans. Faut qu'on aille voir en ville aussi. On a Racine qui a ouvert et je sais plus quoi. Et je sais plus trop quoi là. On va aller voir. Bonjour toi. Y a pas quelqu'un qui veut nous acheter un truc aujourd'hui? Bonjour. Je me disais que tu n'étais pas encore arrivé aujourd'hui. Oui. Oui. Excusez-moi, il y a un intrus. Oui. Qui a-t-il? Oui, tu es beau. Il est trop mimi. C'est à peine gênant quand même. Bon, il n'y a personne. Oh, tu mets des poils partout, chérie. Hop, hein. Est-ce qu'on a quelqu'un qui s'est installé aujourd'hui? Oh, on n'a pas récupéré les fossiles, d'ailleurs. Hop, hein. Lui, c'est Nani qui est là. Le blanc, c'est Nani. On n'a pas récupéré aussi notre pierre précieuse du jour. Il faut que je récupère une cosmo blanche aussi, d'ailleurs. Ah, attendez, là, il y a un trou, non? Nani. Attends, je lock le clavier. Oui, 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 oui. Si vous voyez une cosmo blanche, ah, ou une cosmo jaune d'ailleurs. J'avais que des cosmos rouges jusqu'à présent. Coucou LMB. Oh, coucou, je l'ai. Attends, je vais la mettre chez Revente et Retouche. En fait, je vais faire un magasin qu'avec mes choses à moi. Je vais faire un magasin. Je vais acheter tous les trucs. Et le magasin va être pour Fluffy. Le magasin de Fluffy, tu vois. Hop. Hein. On va mettre la pépite. 3000. On va mettre à 9000. 9999. Ok. Faudra juste que j'achète les trois autres trucs quand j'aurai chopé des trucs. Non, je veux pas le reprendre. Laisse à la coucou coma. Comment ça va? Oh, y a quelqu'un. Attends. Pécan, y a moyen d'extorquer de l'argent à quelqu'un, les amis. Va là-bas, approche-toi de là-bas. Il faut que tu fasses vraiment des grosses grosses boules pour avoir les Bingo Yeti. Regarde. Oh là là, des magnifiques fossiles accompagnés de magnifiques pierres précieuses, Pécan. Reviens là. Ici, regarde. Waouh. J'ai dit ici.
toi. Parce que là, tu vois rien du tout. Eh, je vais les acheter, les autres trucs, je te préviens, hein. Oh, elle est lente. Ah, les pécans. Elle est plus manine que Nono, celle-ci. Viens par ici. Je trouve cela si triste que certains soient obligés de vendre leurs souvenirs pour quelques clochettes. Non, ne trouve pas ça triste. Tu vas participer à mon enrichissement. Allez. Regarde par là. Oh, il y a du choix pour une fois. Je ne sais même pas par où commencer. Bah par ici, par exemple, non? Allez. Je vais pas te laisser le choix. Oh, ce magasin, c'est le mien. Ce magasin, c'est le mien, j'ai dit. C'est à moi. Tu n'as pas le choix. Ah, ah mince, j'ai plus de place. Attends. Annie s'est installée, oui. Attendez, je vends. Hop. Hop. Oh, elle a vu ma pépite. Dépêche-toi. Arrête de parler. Oui, oui. J'ai du nez pour flairer les bonnes affaires, tu sais. Et la pépite d'argent en est une. Mais bien sûr. Cela ne fait aucun doute. Je suis tentée. C'est à toi ma pêche. Que me conseillerais-tu? Achète. Valeur sûre, tu vas kiffer. Lisette, pourrais-tu venir ici un instant? Et si je te payais directement plutôt? Les affaires sont les affaires. Les affaires sont les affaires, mes chers amis. Ah là 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 là. Allez, on reprend la penderie en tissu. Et on s'en va. Et encore 10 000 balles pour Fluffy. Eh oui! Ça, c'est les affaires, hein. Ça, vous voyez? C'est une affaire de rat. J'ai combien d'argent? Je vais avoir les 100 000 clochettes alors que j'en ai pas branlé une seule depuis le début du jeu. C'est indécent. Alors, attendez, il me manque toujours une Cosmo blanche et des lys. J'ai que des lys rouges, il me faudrait des lys blancs et des lys jaunes. Luffy Businesswoman, bien sûr. Oh non. Coucou Gwen. Est-ce qu'on peut faire une prédiction entre filles et garçons, s'il vous plaît, mes chers modérateurs? Animal Crossing New Leaf, c'est... J'aime pas quand il y a des gens qui s'installent comme ça chez moi. Je le sens mal là. Hop. Oh non, c'est encore un piège. J'ai pas de chance avec ça. Et merci de nous streamer un peu de ACNL, mon dieu, les souvenirs. Ah, c'est apaisant, hein. C'est incroyable, ACNL. Merci beaucoup, vous avez la prédiction qui est en cours. Pour voter. Si cet habitant est une fille ou un garçon, c'est le moment. Je vais aller regarder. Je vais me mettre... Oh, qu'est-ce que tu me veux? Tu veux un projet public? Ah non, je peux pas, j'ai pas encore le truc. Tu ne trouves pas que je dis yippie trop souvent? J'aime bien ma devise. Tu vas mettre ma devise préférée. Voilà. Ah ah. Comment ça, tu ne peux pas écrire ça? Bien sûr que si.
Eh ben, il y aura deux E à grognasse, hein. Voilà. Grognasseux. Non, mais oh. Grognasse, ça sonne bien. À partir de maintenant, je dirais grognasse tout le temps. Toi, on peut dire que t'es doué pour trouver des expressions. Merci mille fois, grognasse. Je t'aime, Nanos. J'ai envie d'aller voir tous les habitants et de leur crier grognasse. Je suis pas sûre qu'ils aiment Nanos. Nanos, je suis pas sûre qu'ils kiffent. Je suis pas sûre ils soient super fans de la blague. Non. Allez, grognasse. Sont où les grognasses ici? La prédiction, elle est finie. Attention. Mais ils se sont cru danser pas sorcier ici. Maintenant, j'ai jamais. Putain. Ils m'ont donné Elvis Presley. Non, mais vous savez pas qui est Jamie ? On m'a donné Elvis Presley. C'est pas possible. Non. Oh purée. Purée de pommes de terre. Putain. J'ai eu Jamie, après j'ai eu Faust. C'est quoi ça? C'est quoi cette chance de nul là? Oh purée, force. Eh, si le prochain... À quand Sabine? Eh non, mais si le prochain habitant, c'est encore de la merde à son boîte. Mais on va pas le faire, ça va pas aller, mes chers amis. C'est pas possible. Allez, vas-y. On avance parce que j'aimerais bien mettre mon arrêté, s'il te plaît, Marie. Parce que là, si tu veux... Bah, si mes fleurs, elles fanent, bah, elles fanent, c'est un peu la merdasse, finalement. Donc, j'aimerais bien que tu... mettre le truc. Si vous avez une pub, c'est normal. Il y a Nezuko qui vient de la lancer... Voilà, tout est prêt. Madame le maire, on a une nouvelle âme qui s'est installée. Oui, trop bien. Nous avons Jamie qui s'installe dans le village. En plus, dans SNL, pour faire partir un habitant, c'est super aléatoire. C'est super aléatoire et c'est super chiant dans mes souvenirs. Dans mes souvenirs, c'est vraiment mais super long. Ok, attends. Ça, on arrose. On est d'accord que la neige arrose pas dans ce jeu-ci. La neige, elle arrose dans ce jeu ou pas? Oh, imaginez, j'ai Marcel, comment je serais heureuse. Marcel. Non, ouais, la neige, elle arrose pas dans ce jeu, je sais plus. Petite fleur rose, là. On va mettre une petite... Cosmo ici. Sinon les fleurs briraient déjà. Ouais, j'avoue. En vrai, là, ce qui aurait été bien, c'est avoir Miro, Gradube, Léa, Myrtille, tous les oursons en fait. J'ai une Fluffy passion ourson. Donnez-moi des oursons, s'il vous plaît. Le clip avec Nonos. Oh, t'as fait le clip de la grognasse. Ça va partir en TikTok, ça. Gradube, Miro, tout ça. Tous mes meilleurs amis. T'as Théo en ourson. Ouais, mais c'est Théo.
pas mon ourson favori, quoi. Croquette, non. Non, vous m'aurez pas comme ça. Pas Croquette ici. Je pense que l'habitant que j'aime... Je pense que... Tout à l'heure, on me demandait quel est l'habitant que je déteste le plus. Je pense que c'est Croquette. Sincèrement. Je déteste Croquette depuis... Depuis que Nexus m'a fait supporter Croquette pendant je ne sais combien d'années. J'ai trop de fossiles. J'ai trop de fossiles. Je crois qu'il y a un truc pour clip automatiquement avec Wizbot. Quand il y a plein de fois la même émote. T'es sûr de ce que tu dis, Dimitri? Parce que ce serait incroyable de faire une émote de clip et que quand vous balancez l'émote, il clip. Oh, tu saurais me trouver... Attends, cette info, Dimitri? Je veux grave faire ça. Attends, venez, on va faire expertiser les fossiles, là, parce que... On en est qu'à fille, hein. Il y a une commande qui existe. Ouais, mais la commande, elle clip pas. La commande, elle sert juste à rappeler... Elle sert juste à rappeler de nommer les clips, parce que sinon, nous, après, on se retrouve avec je ne sais combien de... On se retrouve avec je ne sais combien de clips qui sont pas renommés, tu vois, qui n'ont pas de nom et qu'on sait pas du tout, qu'on sait pas du tout ce qu'ils font, quoi, tu vois. Wizbot a mis comme quoi, justement, il pouvait pas. Ah, faudra que je regarde avec mes modératrices si on peut mettre le clip automatique associé à une émote et faire une émote de clip, justement. Ok, attendez, expertiser le fossile. On les revend, les fossiles, ou alors on complète le musée? On complète le musée, on est d'accord. On complète le musée. C'est bon, on a trouvé un moyen d'extorquer de l'argent à tous nos habitants. On n'a pas besoin d'avoir l'argent des fossiles en plus, si. Ah, mais on peut les vendre, les fossiles. Attends. Non. Non, on les donne. On les donne, allez. On les donne au musée. Documentation Wizbot. Faudra que je regarde ça après. Merci Elise pour le truc. Je regarderai comment brancher ça. Comme ça, je vous ferai une émote de clip et ça clipera automatiquement avec l'émote. Je pense que je vais revendre ceux qui me redonnent. Et je vais tout donner. Tu vois, par exemple, il y en a un qui l'avait déjà visiblement. Attends, il l'avait déjà ou alors je lui ai pas donné? J'ai un doute. Il me semble que tu n'as rien sur toi. Ok, j'en ai un qu'on peut revendre. J'en ai un qu'on peut revendre, les amis. On va faire ça. Au moment de la cote, tu voulais pas les vendre. Ouais, mais c'est parce que j'en avais besoin. Enfin, j'avais besoin de l'argent et tout, tu vois. Mais là, je vais les revendre. Maintenant, j'en ai plus besoin. Oh là là! Quelle horreur. Là, j'ai assez d'argent pour... J'ai assez d'argent pour mon espèce de cote, là. Enfin, pour mon... Oh là là, mais qu'est-ce que c'est moche. J'ai assez d'argent pour mon arrêté charme. J'ai assez d'argent pour... Peut-être améliorer ma maison. Faut que je regarde ça. Je suis pas sûre de moi. Je suis la seule où j'ai jamais eu le musée à droite. Ah, c'est hyper aléatoire, ça, en vrai. Je l'ai déjà eu à droite comme à gauche. Bienvenue! Oh, une nouvelle tête! Non, merci. Je suis pas intéressée. J'ai rien à t'acheter. Les fleurs, je vais les voler sur l'île. Il est hors de question que je les paye. Et toi, qu'est-ce que tu vends? On n'a pas été encore refaire sa coiffure. T'as déjà eu un badge ou pas? Non, je l'ai pas eu. J'ai pas de badge encore. Eh, c'est quand tu as grandi ta boutique, toi? Ah. Le musée, c'est par rapport à ta falaise. À ta falaise?
Comment ça, c'est par rapport à ta falaise? T'as fait 16 villes, évidemment, que t'as eu les deux emplacements de musée, j'avoue. Comment ça, c'est par rapport à ta falaise? C'est pas aléatoire? Fionn, merci beaucoup pour le 24e mois. Merci énormément. Ah oui! Ah putain, oui! Si tu choisis... Ah! Comme quoi, 10 ans plus tard, il est toujours possible d'apprendre des choses sur ce jeu, hein, vous voyez? Alors, on a les Papa Yeti ici. On a la boule de neige qui est là. Oh, attends, tu penses que je peux l'obtenir? Attends. Non, arrête d'avancer. Oh merde! J'aurais pu l'avoir! Oh non, je suis trop déçue! C'était avec le filet, ouais, j'ai mis trop de temps, j'ai paniqué et du coup... RIP. Je retourne réviser, je passais juste renouveler mon sub. Merci beaucoup, Fionn, courage pour les révisions. On va remettre un Papa Yeti juste à côté. Est-ce que ça serait pas une pierre précieuse que je vais pouvoir vendre encore? Non. C'est tellement apaisant la musique. Depuis tout à l'heure, j'essaie d'avoir la rose bleue, je galère. Vous imaginez quand on va devoir avoir la rose bleue? J'ai pas hâte d'y être, hein. Direct. Je sais même plus comment est-ce qu'on fait pour avoir la rose bleue dans ce jeu. Je sais même plus comment on l'a. Je pense que c'est pareil que dans les anciens. Mais je suis pas sûre. Inès, du coup, tu fais Maman Yeti? Ah, pour avoir la collection glace? Attends. C'est quoi? On va leur parler déjà. On va voir combien on a eu de numéros. Des hybrides rouges. Ouais, c'est pareil que dans les autres jeux. Okay. Tu veux rire? Ma maman a commencé à jouer à CNH pendant le Covid avant de s'acheter à CNH. Elle a réussi à avoir la rose bleue d'un claquement de doigts. Alors que moi, j'ai jamais réussi. Oh non. Attends, c'est quoi? Le 10. Oh oui! Oui! Je l'ai! Oh, on a bientôt une ligne. Attention, plus qu'un numéro gagnant. Et tu as le bingo go. Putain, je suis plus investi dans le bingo go que dans ma propre vie. Au bout d'un moment, faut arrêter. Putain, je vois pas vu que je suis devant son œil. Le 6. Oui, le 6, je l'ai aussi. Pas loin. Attends, il me reste un bingo. Demain, j'ai fait un joueur loto, j'espère gagner aussi. Allez, le 48. Allez. Il y a Théo qui me regarde là. Le 48. Putain, non, c'est quoi ça? Le 12. Ouais, j'ai... Oh, il manque le 31. Eh, vous avez vu comment c'est bien, là? Il manque le 31, le 48, hein, le 37 et le 9. Et on a... Mais on a giga des lignes, là. Bon, attends, du coup, on fait une Maman Yeti? Comment on fait une Maman Yeti? Maman Yeti... à CNL. Ok. Les autres sont Papa Yeti, Yeti et Titi Yeti. Pour fabriquer une Maman Yeti, il faut que le joueur pousse deux boules de neige de sorte à faire une boule de taille moyenne. Hein. Une pour la base et une boule de petite taille pour la tête.
Ensuite, il faudra lui donner 3 flocons de neige. Ah non, si Maman Yeti juge qu'elle a été bien construite, il faudra 3 flocons de neige. Hein. Sinon, elle en demandera 5 contre un meuble de la série glace. Hein. Attends, ça veut dire quoi une boule de neige de taille moyenne? Pourquoi c'est comme ça le jeu? Parce que c'est assez nail, Mara. Genre ça, c'est de taille moyenne. Putain, je sais pas, moi. Elle est où, sa tête? Moi, je dirais qu'il faut la faire un peu plus grosse. Et une petite pour la tête. Elle est où, sa tête? La tête, elle peut pas être aussi éloignée. Si? Attends, là déjà, il y a un flocon. Merci beaucoup, l'électrice, pour le follow. Bienvenue. Putain, je suis vraiment nulle. J'ai pas eu le flocon. Il y a déjà la boule de neige, elle est pas là. Je lui ai dit bonjour, lui. Oui, je lui ai dit bonjour. Ah, attendez, j'ai pas pris mon fossile. Hop. Attends, vérifie que ce soit un fossile, s'il te plaît. Vérifie que ce soit un fossile. Ok, c'est un fossile. Merci beaucoup. Merci Lily pour le follow. J'ai fait marcher dessus. Allez, va là-bas! On va reprendre le filet. Comme ça, si jamais on croise des flocons. Là, il y en a un de flocon, mais vas-y, il est au milieu de l'eau. Un peu galère. Elle est où la boule pour sa tête? C'est galère! Elle est où la tête? Qu'on lui rende sa tête! Derrière la mairie, tu crois? Ah, c'est vrai, je suis pas allée derrière la mairie, je crois. Ok, attendez. Il y a elle qui veut me parler. Tu savais que le troc était grave à la mode dans les grandes villes? C'est fou, non? Ok, vas-y, on troque. Je vais faire du troc, j'ai un débardeur dé et tu as une penderie. Ouais, si tu veux, vas-y, tu en prends. La penderie, de toute façon, je comptais pas l'utiliser, donc... Elle, c'est la reine du troc, à chaque fois qu'elle veut nous parler, c'est pour faire du troc. Hein. J'ai fait du troc. D'accord. Bah non, elle est pas là, la boule. Les musiques de ACNS sont tellement incroyables, de fou, hein. Elles ont pas la même vibe que celles de ACNH, hein. Pourquoi t'as autant de fleurs à côté? Les fleurs à côté que t'as dû voir, c'était à ma maison, c'est pour faire des hybrides. C'est un truc de fou, elle est où? C'est dingue. Oui, on joue aussi à CNH, on en a fait hier notamment. Le prix change dans l'année pour l'acheter sur Switch ou ça reste à 60€? À CNH, tu peux le trouver à 45 en grande surface environ, mais je pense que tu peux pas le trouver à moins. J'ai jamais vu à CNH à moins cher que 45€. Tu l'as pas cassé? Bah non, je l'ai même pas croisé. Je l'ai même pas croisé, la deuxième boule, les gars. Tu
Tu penses que j'essaye de rentrer et de sortir d'une maison? Au cas où je l'ai cassé? J'ai pas arrosé mes fleurs aujourd'hui? Attends, je vais essayer de rentrer et de sortir. J'ai pas arrosé mes fleurs aujourd'hui, visiblement. Hop. C'est peut-être un insecte qui l'a poussé de la falaise. Ouais, je vais faire gaffe. Sur Vinted, on peut le trouver moins cher. Sur Vinted, en général, je crois que moi, je l'ai déjà vu à une 40aine d'euros. Ah si, j'ai arrosé. Bah si, j'ai arrosé, ça va. Par contre, j'ai pas arrosé ça aujourd'hui. Faut vraiment que je me procure une hache, les amis, par contre. C'est pas possible. Il faut trouver la tête de la Mama Yeti. Peut-être qu'elle était derrière un arbre et que tu l'as fracassée. Il l'aurait pas foutu là quand même. Non. On m'a regardé tout à l'heure ici. Il y avait rien. Tu cherches quoi? Je cherche ma boule. Je cherche ma boule. C'est pas possible, c'est pas vrai. C'est un coup monté. Hé, t'as pas vu ma boule? T'as vu tout ce qui tombe aujourd'hui, grognasse? J'ai un grand problème, tu es la seule personne à qui je peux en parler. J'ai une très grosse envie de fruits. Non, elle peut pas être sur la plage, la boule. Hein. Putain, vas-y, il y avait des fruits qui étaient juste à côté de lui, quoi. Tiens. Tu saoules. Ah, mais attends, si tu lui donnes un fruit parfait, il te donne pas un truc... Il y a pas un délire comme quoi, si tu lui donnes un fruit parfait, il te donne un objet qui a plus de valeur. Enfin, qui est plus rare. Je sais pas. Tiens pour toi, un t-shirt brume. Merci Fluffy. De rien. Elle est pas là. Hein. Elle est vraiment pas dans cette partie-là. Elle est pas dans cette partie-là, ma boule, les gars. Déjà. Il est très content si tu lui donnes un fruit parfait. Oh ! Voleur ! On a trouvé le voleur de la boule !
call 911. Ça va être délicat là. Allez, avance. Oh là là. Allez. Marche droit devant toi, marche droit devant toi. Droit devant toi, droit devant toi. Oh non, il y a Théo qui veut me parler. Vas-y, quoi? Laisse-moi te parler de l'importance du regard. Au football, il est vital de... Mais tais-toi! Je m'en fous du foot! Shoot dans le ballon, but! Mais il est fou, lui, hein? Il est fou, hein? Ok. Attendez, faut que je rétrécisse la boule. Avant de l'emmener là-bas. Rétrécissons la boule. Et on va récupérer... Attends. Hop. On emmène la boule là-bas. Oh putain. C'est plus près, c'est plus pratique. Oh là là. Bonne soirée, Tété. Attends. Mais qu'est-ce que tu fais, toi, encore? Arrête de jouer avec mes boules. Oh. Il m'énerve, lui. On va échanger ça contre un piège. Elle est grosse là, non? Ouais, je crois qu'elle est trop grosse là. Je crois qu'il faut une bouille de une boule de cette tête là, non? Putain, je vais jamais y arriver. Comment on fait une Mama Yeti? Attends. Je vais comparer avec un Yeti et avec un Titi Yeti. Il peut arriver qu'en voulant faire un Yeti, le joueur fasse une Mama Yeti ou un Papa Yeti. La base de Yeti doit être inférieure. La boule inférieure doit être environ au nez du personnage. Et l'autre en menton. Et la Mama Yeti, faut qu'elle soit plus petite. Regarde la photo.
Il faut que ce soit en dessous du menton. Elle est trop grosse. Je suis vraiment contente d'avoir été créée par une artiste telle que toi. Je ne voudrais pas te montrer trop curieuse, mais je crois savoir que tu possèdes des flocons de neige. Hein. Allez, tiens, rapporte-moi 5. Ah merde, j'ai pas réussi à la faire de façon parfaite. Donc les objets vont me coûter 5 flocons. Oh putain. Quelle merde. Bon, attends, faut déjà que j'aille voir Marie, là, pour l'arrêter aussi. J'ai pas réussi à la faire de façon parfaite. Ah, mais je pensais que je l'avais bien réussi, non? Après, il faudra faire Yetiti et Titi Yeti. Madame le maire, vous tombez à pic, votre permis de construire est arrivé. Ok, vas-y, go. On fait l'arrêté charme. Ouais, le corps aurait dû être un peu moins gros. Ouais, en effet. La tête était... Ou alors la tête un petit peu plus grosse. Coucou fan de jeu, bonne année à toi aussi. Oh là là, tu parles beaucoup madame. Ok, alors on va mettre l'arrêté charme et on va faire construire le camping. Arrêté. Arrêtez, on va faire le charme. Avec plaisir. Son charme. Oh, t'as un skatepark à côté de chez toi? Nous, on en a pas. Ok, c'est exactement ça. Ça coûte 20 000 balles, t'inquiète, c'est parfait. Passe-moi le stylo. Tiens, prends mon argent. Ensuite, j'aimerais mettre un travaux public et j'aimerais mettre un camping. Je crois qu'il fait partie des trucs de base. Je parle beaucoup, hein. Madame. Oh, regardez, quand je mets la 3D sur mon écran, ça vous fait bouger. Alcaze, merci beaucoup pour ton prime. Merci beaucoup. Ça vous fait un peu aller à gauche. Alors, camping. Oh, on peut faire le centre Resetti. Campement. 59 000. C'est pas grave. On va faire construire quelque chose. Êtes-vous prête à démarrer les travaux? Oui. Quand je mets la 3D sur mon écran, ça vous fait bouger. Alors, le camping, on va le mettre où? Je sais. On va mettre ça là-bas. Hop. J'ai des mégaphones si tu veux. Oh, je vais essayer d'obtenir les trucs par moi-même dans un premier temps sur cette partie. Vu que le but c'est de faire vraiment un espèce de 100% d'ACNL en 4 mois. En vrai c'est littéralement ça. Hein. C'est un 100% de ACNL en 4 mois qu'on essaye de faire. Putain mais comment ça c'est trop près de la rivière? Oh, ça m'avait pas manqué ça. Ah, l'endroit parfait. Vas-y montre. Oh non, je peux pas mettre des arbres autour. Moi, j'aime bien quand il y a de la place, Marie. Genre quelque chose de plus par là. Je sais pas du tout jusqu'à quelle heure je live. Aide-toi avec les motifs. Oh la flemme. Bah voilà, parfait!
Moi, je trouve que la vue est dégagée, on le voit super bien. On ne voit que lui, quoi, finalement. Oh non, je clignote. Ah, ma trônée, ça clignote. Putain, le coup de pression! Merci beaucoup, Coconeco, pour ton follow! Oh putain! Oh, mon cœur, il s'est emballé là! Mon cœur, il s'est emballé! Me fais plus ça, hein! Bon! On pourra pas mettre d'arbre derrière, c'est pas grave, mais on pourra en mettre au moins sur les côtés. Par contre, il veut l'argent, mais j'en ai pas. Attends, on va essayer de... On a eu notre pépite ou pas aujourd'hui? On n'a pas eu notre pépite aujourd'hui, hein, pour la mettre en vente. Retour de ma mère sur Oli. Elle trouve ça super sucré, du coup, elle dilue ça dans 1 litre. Quoi? Sérieux? Elle est cassée, ta mère, hein? Et dire que moi, je mets plus de la dose parce que... Bah parce que vis-à-vis d'une monster, c'est pas assez, quoi. Ma mère, qui aime pas trop boire sucré, elle m'a dit que c'était pile parfait. Quand je lui ai fait goûter, là, l'autre jour. Notamment, elle adore le Oli à la pomme que je bois, là, actuellement. Elle le trouve super bon. Mais j'ai trop de vêtements sur moi là. Moi ça me fait un effet poudre. Ah ouais, Onikin? Ah, pas du tout personnellement. C'est marrant comme quoi. Oh non! Putain, c'était ma rose. C'était ma rose violette. Genre par exemple, tu vois, je lui ai fait goûter le thé à la pêche de Oli. Elle m'a dit que c'était pas bon. Je lui ai fait goûter le alligator pomme. Elle l'adore. Elle m'a dit il est trop bon. Coucou Pauline. Non mais Lana! Lana, qu'est-ce que tu fais là? Tu sors s'il te plaît! Lana! Cerise, bubblegum, les wolves, pastèque, à part pastèque et green wolf, pas fan pour l'instant. Le pastèque, il est bon, pastèque, moi je l'ai pas parce que j'ai pas le calendrier. Mais le raïsti, par contre, c'est une tuerie. Alors attends. J'ai laissé traîner un piège. Je l'ai GG en concours, le pastèque. Je l'ai pas, moi, le pastèque. Hein. J'aimerais bien goûter le pastèque, moi aussi. Alors. La pépite, on va la mettre là. Ici, c'est mon magasin, on a dit. Hop. Je suis dans le train et devant moi la personne vient de sortir sa DS. Devant lui s'il regarde le stream. Ok. Est-ce que quelqu'un va rentrer dans le magasin là? Venez acheter, j'ai besoin d'argent pour faire un camping. Oui! Oh non!
je suis désolée. Nonos, je suis vraiment... Nonos, avant, je suis vraiment désolée. Le pauvre petit. Lana, s'il te plaît. Pas grave, il est riche. Nonos, c'est un pigeon. Nonos, c'est un pigeon heureux. Libérons Nonos. Allez, vas-y Nonos. Attendez, je le mène vers la voie de la fortune, hein. Regarde là. Au revoir, maman. Au revoir. Allez, vas-y Nonos. Fais ton choix, il y a beaucoup de choses. Il fuit l'arnaque. Non, non. La voix de ta fortune. Oh, attends, il a vu un truc. Oh, comment ça, elle est vraiment pas donnée? Faut se faire plaisir. Nonos, ton argent, tu vas pas l'emporter dans ton cercueil, hein. Il faut se faire plaisir dans la vie. Je suis bien d'accord. Il faut savoir se faire plaisir de temps en temps. Merci beaucoup. Allez. Bon, le pauvre. Mais quoi? Pray for Nonos, futur SDF. Aïe, aïe, aïe. Les flocons, par contre, ils sont pas donnés. On les trouve pas facilement, hein. Putain, je suis dégoûtée, mes fleurs, là. Ok, je l'ai. Il me faut un Nonos dans ma vie. Attends. J'ai deux flocons. Du coup, je pense que... Attends, j'ai assez pour... T'as besoin d'une rose mauve. Chut. Je suis dégoûtée, Lolo. Elle est cassée. Tu penses que j'ai assez d'argent ou pas? Oh, putain, je vais être ruinée. Mais ça va, regarde, c'est pour la bonne cause. Regarde, tout l'argent qu'on m'a donné, je vais... J'ai plus d'argent, je suis ruinée. J'ai plus d'argent, les gars. Attends, faut que j'aille donner mes fossiles au musée. J'ai plus d'argent. On peut dire que c'est Nonos qui a payé le camping. Arrêtez, c'est la combientième fois que je lui chope de l'argent? C'est la troisième fois. Donc je lui ai chopé 30 000 balles à Nonos. La victime du patelin. Eh, attendez, vous pensez que je peux parler à l'écriteau qui est dehors? Je crois que je l'ai jamais fait. Hop, allez, vas-y, expertise. Attendez, mais j'ai donné quoi à Thibou? J'ai donné une œuvre d'art. J'ai donné un poisson. Je lui ai jamais donné d'insectes pour avoir l'étage. J'ai donné un fossile. Coucou Lady Ketsu, comment vas-tu? Je sais plus si je lui ai donné tout ce qu'il faut pour avoir l'étage. Hop, hop, hop. Voilà. Tout ça! Alors voyons, fantastique! D'ailleurs, on n'a pas mis notre fossile à vendre. Je crois que je lui ai pas donné d'insectes à Nonos. À Nonos. Il
faut jouer au moins 14 jours. Ah, c'est peut-être ça. Attends, ça fait quoi si je parle à ça? Mais non. Putain, je découvre ça. Ok, bah j'ai tout donné, c'est les 14 jours qui me manquent. Putain. Je découvre ça 10 ans plus tard. Bon, prochaine étape, on a grandi la maison, mais le problème c'est que on a plus d'argent quoi. Hop. On va aller mettre en vente. Non, Nonos. Nonos, pars parce que sinon ils vont encore dire que. Pars. Nonos. Va plus loin de cette boutique. Va-t'en. Vas-y, on va mettre le fossile ici. Tu penses qu'il y a moyen de vendre des trucs plus chers que 10 000 balles dans cette boutique ou pas? J'ai pas l'impression que mes trucs en dessous de... J'ai pas l'impression que mes trucs au-dessus de 10 000, ils se vendent. Réveille Serge, je sais plus comment on fait. Vous pensez que je peux arnaquer quelqu'un d'autre? Il y a des gens qui ont dit qu'au-dessus de 10K, ils achètent pas. Bah justement, c'est pour ça, tu vois. Mon petit chéri travaille toute la nuit. Il faut le laisser se reposer. Host. Je suis sûre que toi, t'es quelqu'un qui a du goût, toi. T'es quelqu'un qui a de l'argent. Va là-bas. T'as la dégaine de quelqu'un qui a des thunes. Je suis sûre que t'as de l'argent. Tu es prise en sandwich? Ah, c'est bon. Viens ici! Allez! Bon, attends, je l'aide un peu parce que là, il est pas... Il faut renflouer Tata Fluffy. Voilà, exactement. Ouais, à chaque fois, ils vont vers les trucs qui coûtent moins de 10 000. Oh, je vais pas gaspiller mon argent comme ça. Pardon. Gaspille ton argent. Dépêche-toi. Dépêche-toi. Toute mon attention est focalisée. Et je trouve que c'est un peu cher. Achète. T'as raison. Il faut battre le fer quand il est chaud. Bien sûr. Donne mon argent. Il faut faire le prix x 4 moins une clochette pour qu'ils achètent. Ah, donc ils achètent au-dessus de 10 000. Attends, ça veut dire que si tu vends une couronne... Oh, merde! J'avais mal fermé la gourde. Ça veut dire que la couronne... La couronne, tu peux leur faire acheter 2 millions? Tu peux pas vendre une couronne. Ah. Bon. Comme ça, au moins, le débat est réglé. Allez, on avance. On fait apparaître le camping. Ils achèteront pas la couronne. Tu crois qu'ils sont pauvres, les habitants, et qu'ils achèteront pas? Non, j'ai tenté, même à 100 000, ils achètent pas. J'ai déjà testé. Lolo. Ah merde, les flocons. Bon, c'est pas grave, tant pis. Je me suis fait chier à faire une maman Yeti pour pas grand-chose. Pas grave, on aura toute une vie. On a 4 mois pour faire les flocons. Ah, je pensais qu'ils achetaient... Déjà, Risette, elle te prend la couronne pour 300-400K. Bah, ça va, c'est pas mal déjà. Hein.
Après, bon, en général, quand tu achètes une couronne, c'est pas pour la revendre, Lolo. Après, je dis ça, je dis rien, tu vois. Tu fais vraiment comme tu veux. Mais en général, c'est pour pas la revendre. Hein. Oh, j'avoue, le bingo pour les derniers chiffres, là. Faut qu'on fasse. Pour avoir 16, il faut que les habitants soient des pigeons 10 fois. Ah, faut débourser 100 000 balles dans la... Ok. Ah, ils disent que c'est du moment que le prix revient à moins de 10 000 clochettes. Tu penses que je peux baisser le prix de mes fossiles? Sans les enlever et les remettre? Attends. On va baisser le prix des fossiles. Hop. On va baisser le prix des fossiles, mes chers compatriotes. Sinon, les habitants, ils kiffent pas. Le but, de toute façon, c'est de revendre à 10 000 balles. Déjà, en revendant à 10 000 balles, on est déjà giga gagnant. Hop. Hop. Là, on a quoi, ici? Oh, putain, je suis dégoûtée pour ma rose mauve, quoi. Vraiment dégoûtée pour ma rose mauve. Ah, il y a ma boule là juste à côté de chez moi. Hop. Parfois il y a des choses qui sont un peu plus chères que d'autres, donc à la fin on se retrouve pas avec beaucoup de clochettes. Hein. Bah, c'est pour ça que je pense que la technique de vendre mes espèces de petites pierres précieuses à 10 000 balles là. Je pense que c'est pas mal en vrai. Hein. Ça c'est pas mal. Oh non, regardez le Jamy là-bas là. Regardez le Jamy qui se balade dans les prés. Oh ça va, il se rend utile, il arrose mes plantes. Eh, tu veux pas arroser mes plantes avec un peu plus de ferveur, là? Eh, Jamy, viens ici. Eh, première fois que je te vois, toi. Moi, c'est Jamy, au cas où tu m'aurais pas reconnu. Quelle horreur. Oh, on a une nouvelle hybride, là. Non, mais j'ai que des cosmos orange. Donnez-moi autre chose, non? Je sais pas. J'ai vu une 3DS à 45 euros. Je pensais avoir l'occasion en or. Et là, joie ne s'allume pas. Il pense vraiment qu'il va vendre une 3DS à 45 euros qui s'allume pas. Il y a personne qui achèterait ça. Personne n'achèterait ça, si? Collectionneur? Ah, si c'est une 3DS de collection? Genre si par exemple c'est une 3DS Pokémon ou pour les pièces détachées. Il y a vraiment des gens qui cherchent des pièces détachées de 3DS? Je pense pas, hein. Putain, ils se sont vraiment placés mais n'importe comment, quoi. Ah, il y a mes fossiles là. Si c'est la 3DS de Beyoncé, je la comprends. Petite dédicace. Oh! C'est nos premiers gyroïdes, vu qu'il a neigé hier. Donc ça compte comme de la pluie, mais ça arrose pas les fleurs. Ok, d'accord. J'y vois aucun inconvénient. On va commencer à crier dans le salon. Moi j'ai ma DS Lite, elle avait pris le café, elle marche encore. Ma 2DS avait pris le coca, elle marche encore. Quoi, tu bouges? Tu la mets dans du riz? Rigolez pas, j'avais fait ça avec un de mes téléphones. Il était passé dans la machine à laver, je l'avais mis dans du riz. Attends, j'ai trouvé ma deuxième boule. Venez enfin, Titi Yeti, aujourd'hui.
Un Yetiti, un... Le riz sur Montel, ouais, ça avait marché. On fait un Yetiti aujourd'hui ? Oh merde, il y a de l'eau en face. Attends, le Yetiti c'est... Le Yetiti c'est la boule jusqu'au nez. Attends, un peu plus grosse. Non, c'est la bouche jusqu'aux oreilles. Putain, je sais plus. Attends. Yetiti. Il faut que la première boule soit jusqu'au nez. Ok, jusqu'au nez. Et la deuxième au menton. Donc. Encore un petit peu. Là, je crois que c'est jusqu'au nez. Et ensuite, il faut que ce soit jusqu'au menton. Attends. Je vais chercher ma boule. Ah, mais il y a des flocons encore, même quand il neige pas, en fait. Moi, je pensais que c'était que quand il neige, mais en fait, pas du tout. Oh là là. Oh là là. Au moins tu me diras, contrairement à CNH, ils disparaissent pas quand tu les loupes, quoi. Oh là là, oh là là, oh là là, oh là 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 là. La direction assistée n'est pas bonne. Ok. Alors attends, parce que là, concentration, les gars. Et on est d'accord que cette boule, elle va jusqu'au nez, là. Putain, mais j'en sais rien. Non, elle va pas jusqu'au nez, la boule, hein. Elle va jusqu'au menton. Mais attends, parce que celle-ci, elle va peut-être jusqu'au nez. Celle-ci non plus, elle va pas jusqu'au nez. Ok, et là maintenant. Ah bah maintenant, ça va au-dessus du nez. Putain, fais chier. Ça fait chier. Oh, ça me saoule. Là. Là, c'est pilonné. Là, c'est trop gros. Là, c'est... Oh, là, c'est bon. J'ai rien compris. Mais non! Mais non! Mais j'ai suivi le tuto! J'ai même pris une feuille! J'ai craqué, j'ai acheté une 3DS. Oh non! Il y a des familles qui ont deux papas, tu sais! Mais c'est pas le problème, c'est juste que je dois faire la famille. Bon, donne-moi un numéro. Donne-moi le numéro 48 et t'es excusé. Putain, c'est pas le 48, ça. Ah, c'est le 37, ça passe!
Ok, 37. J'ai 3 chances de faire bingo, les amis. C'est l'heure. Il y a un flocon derrière. Putain, mais allez, donnez-moi ce que je recherche. Attends, je récupère ça. J'en ai combien là? 1, 2, 3, 4. Il m'en manque un pour avoir un objet. Eh, s'il te plaît, donne-moi le numéro. Eh, s'il te plaît, allez. Papa Yeti se concentre, c'est parti. Le 9, le 48 ou le 31. T'as du choix, hein. Mais putain, mais pas le 50! Du coup, il me faut soit le 7, soit le 9, soit le 48, soit le 31. Mais quel relou! Ça va aller? Non, ça va pas aller. On va mettre ça chez Lisette. À deux doigts de téter une dernière journée parce que je veux réussir mon bingo. Enfin, je veux... T'as compris, genre. Je veux débloquer mon bingo. Oh, elle a vu mon fossile. Oui, bonjour. Fossile, service après-vente des fossiles. Service après-vente des fossiles, bonjour. Gné, c'est du vol. C'est un peu cher. Je crois que c'est un peu cher. On peut baisser le prix. On change le prix. On change les prix, on change les prix. Ça va pas, ils veulent pas, c'est des radins dans ce patelin. Oula. On change les prix, c'est des radins. Pour la mise à jour Welcome à Bibo, je sais pas du tout par contre. Le e-shop, il est fermé de la 3DS? Je pensais pas, je crois. Allez, c'est bon là, c'est denté, allez! Fais un effort, casse le porte-monnaie! Allez! Allez, regarde, ça te va bien au teint! Cette pépite est faite pour toi, Clarabelle! Je sais même pas à quoi servent les trucs qu'on trouve ici. Putain, mais t'es aigri dans ta vie là, achète! Regarde comme c'est beau, c'est ta couleur favorite, c'est orange comme ton corps, hein! John, merci beaucoup pour le 25e mois. Merci énormément. Je sais pas, mon kiki, elle doit être dans la salle. Allez, Clarabelle. Ta Clarabelle, elle est pas facile en affaire, hein. Yeah, yeah. Oh,
Ok, c'est bon. J'arrive pas à me décider au... Ouais, il coûte les yeux de la tête, mais il me fait grave envie. Fonce. Je l'aime pas. Elle, je l'ai jamais aimée. Depuis le jour où elle s'est ramenée avec sa tête d'hamburger, là. Non, mais en plus, ils m'ont pris en sandwich. Oh. Elle, je l'ai jamais aimée. Depuis le début, je la sens pas. Et on peut pas passer un coup de fil à McDo, là, ils viennent la chercher. Allez, achète. Dépêche-toi, achète, hein. Vilaine bête. Vilaine bête. Et pourquoi elle me suit comme un vigile Sephora, là? Calme-toi aussi. Je vais rien voler, la boutique, elle m'appartient. Allez, achète. Elle se décide pas, hein. Elle est trop difficile. Allez. Nonos, tu es où? Nonos. Nonos, viens acheter. Hein? Le coup de Playhouser est à vendre. C'est le tien. Je me laisserai bien tenter. Voilà, voilà, voilà. Vous avez devant vous la technique d'argent la plus optimisée de ce jeu. Voilà. Comment devenir riche en n'en foutant pas une, hein? Attendez, vous pensez que je peux vendre les gyroïdes? Non, si c'est bon. Faut persévérer dans la vie, exactement. C'est super plaisir de te voir. Tu veux discuter de quoi? Quoi de neuf? De maman Vigue. Hein, on peut plus acheter Ah, bah j'ai dit non à un truc, je sais pas quoi. On peut plus acheter de jeux dans l'eShop, je savais pas. Bonjour Lana. Je pense qu'on avait tous remarqué qu'elle était là. Elle, Ouais, je pense que tout le chat avait remarqué que t'étais là. Oh, bonjour. Bonjour. Je m'appelle Lana. Je m'appelle Lana. Et je m'appelle Sibadou. Et moi, comment je m'appelle? C'est maman ta mère, pas Sibadou. Maman ta mère? Quoi? Attends, quoi? Mais non, c'est pas maman ta mère. Je m'appelle Cassandra. Maman et ta mère, c'est la même chose. Maman, c'est Aura. Et maman, ta mère. Maman, ta mère, c'est maman. Je vais pleurer. Maman, ta mère, c'est maman, ta mère. Non, maman, Cassandra. Maman, ta mère. Nana et Nana. Elle t'insulte. Tu t'appelles Nana. Oui, je sais que tu t'appelles Lana. C'est moi qui ai choisi, je te rappelle. Quand même. Coucou. Ah, elle me voit dans la caméra et elle me fait coucou. 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 Coucou, maman. Non, tu touches pas la caméra. Mais non. Ouh. Mayubu, merci pour le 15e mois, merci énormément. Elle me fatigue. Wistiti. Wistiti, maman. Aussi Noël. Elle me voit dans
dans la caméra, dans le retour cam. En fait, la caméra est dans l'autre sens. Et du coup, elle me voit et elle me dit « Oui, c'est ici !» Elle touche la cam, non? Oui, elle, elle vous a bougé. Elle vous a bougé. Coucou, maman. Oui, Stiti. Oui, Stiti. Wow. Oui, Stiti. Oh là là. Coucou, maman. Bon, vas-y, on essaye de compléter nos lignes bingo là. Et let's go. Je vous jure, on n'a pas fini de rire ici. Hein. Mais quel jour nous sommes? Le 11 janvier! C'est pas facile tous les jours, hein. Non, c'est pas facile tous les jours, hein. Moi je vous le dis. Eh, hey, t'as vu qu'il fait nuit dehors, Lana? Tu vas au dodo? Il fait nuit? Non. C'est moi, billard. Bon. D'abord, il doit se coucher. Ah, d'abord, il faut manger? Ah, d'accord. D'abord, c'est un gâteau. Le gâteau. Maman, deux gâteaux et un pain. Hein? Deux gâteaux? Mais qu'est-ce que tu me parles de gâteaux? Non, on n'a pas de gâteau. Oh! J'ai eu... Attends, mais comment deux lys rouges, on peut donner une lys rose, hein? Attends, mais comment deux lys... Non, dans la CNH, t'as pas la famille Yétiti, t'as que Yétiti tout court. Ils ont simplifié. Il n'y a plus les Yétiti. Il n'y en a plus qu'un. Allez, donne-moi mes numéros. Ce sont pas des lys rouges hybrides? Bah, peut-être, je sais pas. Je les ai chopés chez moi, donc... Tout, 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 tout. Putain, je suis juste en face de sa tête. Tu veux dessiner? M'a demandé à papa. 18. Putain, mais non, mais pas 18, mais... Non, tu dessines pas là, chérie. Allez, la dernière chance, mes chers amis. Oh non, mais pas un truc qui commence par un 1. Putain, mais c'est un truc de fou. Maintenant il me faut le 9, le 13, le 31, le 7, le 48 hein. Et le 24, mais c'est un truc de fou. Attends, j'ai vu qu'il y avait un flocon là. Elle va me donner un objet glace. Il va tous te les faire. Oh, mon capteur de flocon! Tiens. Tu as 5 flocons pour moi, oui. Voilà. Merveilleux, mon cœur est empli d'une indicible joie. Un mur glace. Waouh. Libéré! Délivré! Super, un mur. Tiens, maman. Oui. Qu'est-ce que je fais? Je fais des bonhommes de neige.
Waouh, un mur, super, je te jure, vraiment. Il faut que je trouve mes boules. J'ai l'impression que je dis ça tous les jours, quoi. J'ai dit ça au moins 15 fois dans le stream. Faut que je trouve mes boules. Il y avait une 3DS XL à 45€. Elle est partie, l'annonce, en 33 secondes. Et qu'est-ce que tu faisais pendant ces 33 secondes, Dimitri ? Comment t'arrives à lui faire respecter de ne pas apparaître devant la cam ou à lui faire comprendre qu'il faut éviter ? En fait, quand elle vient, généralement, je mets ma main comme ça. Et elle sait qu'elle n'a pas le droit d'aller plus loin que là, en fait. Le bout de la table. En fait, il y a un... Comment expliquer ? Il y a un truc noir sur mon bureau. Merci Emily, merci beaucoup pour le deuxième mois. Merci énormément. Merci du soutien. Attends, je te montre. En gros, tu vois le truc noir sur mon bureau ? Il y a un truc noir là. Bah en fait elle sait qu'elle a pas le droit d'aller plus loin que le truc noir. C'est une marque qu'on a fait. Au-delà de la marque, en fait, on la voit. Et du coup on lui a expliqué qu'elle avait pas le droit d'aller plus loin que le truc noir. Bon, des fois ça loupe, hein. Mais il y a une marque en fait pour lui faire comprendre que au-delà de la marque, ouais, au-delà du repère, en fait, elle peut pas y aller. Merci Lasky pour le follow, bienvenue. Bon après bien sûr des fois elle respecte pas, mais. Oh la musique de 19h. Ouais j'entends là de. Il me faut notre deuxième boule. Si mais les lives cuisine en fait c'est différent. En fait si tu veux on veut pas la montrer au quotidien. En fait Kirabuma on n'est pas pour le fait de la montrer au quotidien. Alors, genre là tu vois par exemple elle n'a rien à faire ici. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Les lives cuisine on avait négocié parce qu'en fait je supprime les redives derrière. Les redives des lives cuisine ne sont pas disponibles. Mais le truc c'est que non plus je peux pas retirer non plus toutes mes redives en ligne. Donc c'est pour ça que elle sait que en dehors des lives cuisine, elle n'a pas le droit de venir. Parce que je peux pas supprimer toutes mes redifs. Oui, ma deuxième boule. ACNL acheté. J'ai rien fait, je m'oppose. Ah, mais je m'en fous de ton expression, laisse-moi tranquille. Hein. Je m'en fiche. Fichtre, mince, mercredi. Oh là là, trahison. Non, c'est pas moi. Non, c'est pas moi. Non. 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 Oh, il y a quelqu'un en camping! On peut faire une prédiction? Oh, c'est un igloo! C'est trop mimi. Je trouve pas ma deuxième boule. Ah! Merci pour la prête, hein. Attendez, je fais grossir ma boule avant de la faire traverser le pont, là. Parce que sinon... J'arrive pas à savoir si c'est la nostalgie ou si c'est vraiment les musiques de ACNL qui sont meilleures que SCNH. Je vote pour la deuxième option. Les musiques de ACNL sont largement au-dessus de celles de ACNH. À mon sens. Hmm.
dirais même que toutes les musiques des anciens opus sont au-dessus de celles de ACNH. Vraiment celles d'AC... En fait, celles d'ACNH, ils ont essayé de donner un côté un peu jazzy. Et en fait, ils ont essayé de sortir, entre guillemets, du... Ils ont essayé de sortir, en fait, du style de musique actuelle. Sauf que je trouve que c'est... je trouve que c'est raté, personnellement. Ok. À part celle de 5h du matin, ouais. Oh 48 48 48. Oui. J'ai gagné quoi? J'ai gagné quoi? Bingo! Un seul piste de ski. Attends, mais faut que je recommence avec une nouvelle grille là maintenant? Attends, mais faut recommencer depuis le début? Attends, faut recommencer depuis le début? Genre, je garde pas ma grille et... C'est une blague? Oh, ça m'a mis de mauvaise humeur. Ça m'a mis de mauvaise humeur. Reste dans ma ville. Je vais devoir repartir, c'est dommage, je me plais mis à fumer rat, mais reste ici. Et si je restais? Mais oui, bonne idée. En fait, j'aimerais bien, mais je peux pas. Mais pardon? Si, en hiver, t'as un igloo dans ce jeu. Je veux cachou. Les gars. Je regarde d'un seul coup en dessous mon PC. En dessous mes écrans, regardez ce que je vois. Comment on peut montrer plus près? Je vois ma fille en train de jouer à la Switch à Animal Crossing. Mais je vous demande pardon. Mais elle est en train de jouer à Animal Crossing sur mon... Non, elle se colorie le bras avec ton stylo. Ah, avant je jouais à Animal Crossing. Non, Bon, elle vient ou pas, Cachou? Ah, attends, elle veut s'installer. Putain, mais elle m'embête, elle me dit qu'elle veut s'installer, et après elle me dit qu'elle veut plus. Ah oui. Vous avez ma grosse tête en face. On voit plus le jeu. Oups. Un peu loupé. La crise de la quarantaine, la vingtaine, comment ça t'as 40 ans, Cachou? Ah oui, il faut que je valide la prédit, attends. Du coup, c'était une fille. Hein. Hop. Hein. Je crois que le froid commence à me faire délirer. Allez, reste ici.
Ah. Je voudrais que ces vacances ne finissent jamais. Mais oui, bonne idée. Ah, mais pourquoi elle me dit ça? Pourquoi elle me dit Attends, pourquoi elle me dit ça? Qu'elle veut pas? Tu penses qu'il faut que j'enlève ce que j'ai dans mes poches? Elle a été mise au courant des arnaques, je pense. Faut insister longtemps. Je crois qu'il faut forcer de ouf. Ah ouais, mais... Oh non, j'ai ma rediff du jour qui est sortie sans miniature. Sur YouTube. Bon. Trouve la reine. Mais moi, je veux pas jouer avec toi, madame. Je veux juste que tu emménages. Comment t'as fait pour avoir un igloo? Faut juste être en hiver. Ok. Si tu trouves la reine, tu gagnes. C'est simple, non? Ok. Je veux la cage du je veux la carte du milieu. Bravo, tu as trouvé la reine. C'est totalement du hasard, là, ta merde, hein. C'est encore la reine, bravo. C'est un sans faute. Es-tu certaine que c'est celle-là? Oui, c'est la reine, hein. Tu as trouvé les trois reines, bravo. Tu as gagné la chaise d'écolier, elle est à toi. Eh ouais. Eh ouais. Bon, du coup, tu emménages ou bien? Ah, c'est bon, attends. Je voudrais que ces vacances ne finissent jamais. Oh, elle m'énerve. Oh, elle commence à m'énerver. Non, il n'y a pas de salon ACNL sur Discord, mais... Mais ta question dans ACNA change, je pense, non? Mais je veux pas acheter, à jouer à achète ou paye. Je veux juste que tu emménages chez moi, en fait. J'ai ici 5 meubles et tu vas devoir en acheter un. Je vais te les énoncer un par un en disant le prix. Mais si tu passes 4 fois, tu seras obligé d'acheter le cinquième, hein. Un banc bleu. Non. Un lampion. Oui. Mais elle m'emmerde avec ses mini-jeux, là. Elle m'emmerde avec ses mini-jeux. Mais vas-y, mais... Non! Installe-toi ici! Tu aimes les brocolis? C'est quoi cette question? Mais je veux pas. Elle veut que je joue avec elle, mais moi je veux pas jouer avec elle, hein. Bon, vas-y, on rejoue à son jeu là. La rediff, elle a pas de miniature. Oui, je sais. Je l'ai dit à haute voix que j'avais oublié de faire la miniature. Un paravent gris. Non, je veux pas. Un réchaud de camping. Non, mais ça va pas. Un réchaud de camping à 3300 balles. Un chat fétiche. Non, je veux pas un chat fétiche. Ok. Je vais devoir acheter un pupitre. Un pupitre à 4000 balles!
Mais tu te fous de ma gueule ? Elle vient de m'extorquer un pupitre à 4000 balles. Ah, j'arrive pas. J'ai plus d'argent. J'ai plus... Elle est faite pour vivre sur ton île. J'ai plus d'argent. Allez, installe-toi. Ça y est, elle me parle de ses brocolis maintenant. Installe-toi, j'ai dit. Y a pas un délire comme quoi il faut avoir 10 habitants pour qu'elle s'installe, parce que c'est bizarre quand même, hein. Maintenant que j'ai plus d'argent, elle me dit plus rien. Vous pensez pas qu'il faut avoir 10 habitants pour qu'elle s'installe ? T'as combien d'habitants actuellement ? Je sais pas. Genre en avoir 7 ou 8, non ? Ouais, tu vois, elle veut pas. Elle voulait juste ton argent. Ouais, j'ai 8 habitants, un truc comme ça. Donc là, on m'a donné un habitant au camping que je ne peux pas avoir. Une 3DS avec la peinture un peu enlevée. Comment ça, la peinture un peu enlevée? Non mais la peinture, elle est pas un peu enlevée là, hein. La peinture, elle est pas un peu enlevée. Regardez. Regardez la peinture un peu enlevée. Comment ça, un peu enlevée? On n'a pas la même définition de la peinture un peu enlevée, hein. Oh. J'hésite. Oh, j'ai une idée. Nous allons faire un jeu. Si tu gagnes, je viens m'installer. Oh, putain. Attends. Là, elle est en train de me dire que si je... Attends, si elle gagne, elle emporte mon filet ? Si elle gagne, elle emporte mon filet. Mais quoi? Pierre. Allez, un pour moi. Papier. Yes! Yes! Et j'ai gagné, c'est bon, c'est en 3 manches, j'en ai 2 pour moi. Ah, c'est le premier qui arrive à 3. Oh, merde. Elle a 1, j'ai 2. Putain, mais non! On est à 2 contre 2! Mais c'est quoi ce retournement de situation?
Elle va pas refaire papier. En pire pour la Starac ! Elle va pas refaire papier, elle vient de faire papier deux fois. C'est Pierre qu'il faut faire, non ? C'est Pierre, on est d'accord. Oui ! Oui ! Oui ! Mais comment c'est possible ? Comment tu as fait pour gagner ? Alors qu'il en soit ainsi, j'emménage à Flumera. Je ne sais même pas comment tu t'appelles. Comment ça, tu ne sais pas comment je m'appelle ? Aimes-tu les... Oh, vas-y, tu me saoules avec tes brocolis, toi, putain. Oh, la vache. Tais-toi, à la fin. On l'a fait, mes chers amis, on l'a fait. Bon. J'étais pas censée rester aussi longtemps aujourd'hui. Je vais vous quitter. Voilà. Je vais vous quitter, mes chers compatriotes. Il le faut. C'est pour le bien de notre patrie. Hop. Les enfants commencent à râler. Il est déjà 18h30. J'ai un peu abusé, dirons-nous. Qui est en stream actuellement ? Bon, j'imagine que sur ACNL, en tout cas, personne. Hein. Mais on va trouver quelqu'un d'autre. Je vous rappelle que demain, c'est le stream cuisine. Hein. Galettes, tout ça, etc. On continuera ACNL la semaine prochaine. Je vais quitter TikTok, les amis. Je vous fais des gros bisous. Merci d'avoir été présents. Hop, n'hésitez pas à venir sur Twitch si vous en avez l'occasion. Des bisous. Voilà, c'est quitté, TikTok. Bon, on va aller voir Nefertz. Hein. Elle est pas sur ACNL, mais elle est sur ACNH. Donc en soi, c'est à peu près pareil. De toute façon, je trouverai personne sur ACNL, donc ce sera ACNH. Let's go. Allez, c'est parti. Eh bien, écoutez, je vous remercie pour ce stream. Je vous dis à demain. Je vous tiens au courant pour l'horaire, parce qu'il faut qu'on en discute là après. Parce que de base, c'était censé être le matin, mais il y a eu un retournement de situation. Enfin bref, je vais voir ça. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à demain pour le stream cuisine. Bisous, bisous tout le monde. Passez une bonne soirée et passez un bon moment avec Nefertz. Des bisous!